Greetings from Freetown, Sierra Leone, to everyone. Hi. Hi, Mr. Suale. Hello, Ambassador Suale. How are you all today? Okay. Better than yesterday and worse than tomorrow. Yesterday evening we were tired because we had 3 to 8:30 conferences. It was very interesting and very, yeah, it was very, very good launch of IDAD. It was excellent, I must say. Mr. Minister of Historical Legacy, I have to say that IDAD is becoming bigger every year, so. Yes, and it is a national day where we announce lots of things. People are arriving. We were 10, 12. We are now 26 people in the room. Good afternoon. Good afternoon. This is Liberia Swad. Hello, nice to meet you. Welcome. I'm standing in for the ambassador. The ambassador is not feeling well today. Okay. Yeah. You are working in his team. Yes. Okay, great. Thank you very much. Sport. Pan-African Games will be with you in 2023. Yes, we already know that. Okay, thank you. Thank you very much. We are supposed to have a Minister of Sport, Honorable His Excellency Kodjo, with us today. Yem. Bonjour. Bonjour, good morning, Ambassador Mukalenge. Good morning. Greetings, Your Excellencies. Bonjour, bonsoir. Good morning, welcome. Merci. Alors, Nonora, bonsoir. Ça va bien? Oui, tout va bien, et vous-même? Ouais, ça va très bien. On voit les fidèles. Hein? Ouais, mais c'est ça, le fidèle à côté. Voici le fidèle est là, il va se faire Monsieur Amissa, ambassadeur, honorable Amissale, yes. Bonjour, madame la ministre, comment vous allez? Très bien, merci. On peut compter sur vous pour traduire un peu aujourd'hui? Oui. Oui, mais ça dépend de qui j'ai en face. Parce que si c'est monsieur Élisée Herbert, pas de problème. Mais quand c'est... Et peut traduire, il est international. Oui, il est très bien. C'est notre chef traducteur. Voilà, il peut faire ça, madame la ministre. Madame la ministre. Si c'est le premier ministre, si c'est vous, si c'est monsieur Herbert, si c'est... Parce que ce sont des problèmes d'intonation et d'accent. C'est ça. Tant que c'est un anglais standard, il n'y a pas de problème. Il comprend tout ça. Mais quand on rentre dans un anglais un peu... Thank you very much. Donc, pour commencer, comme d'habitude, je vais vous demander de nous dire le pays où vous êtes, où vous venez, comme vous voulez. Et après, nous allons récapituler, saluer tous les pays et tous leurs représentants. So as usual, we will start calling the people, asking the people to mention the countries where they are or where they're coming from, so that we can have a whole list salute and pay a tribute to all the countries. So, Union Island, France.
Réunion, Réunion Islands. Yes, thank you. The Gambia. The Gambia. Thank you. Yes, of course. Liberia. Liberia. Thank you. Sierra Leone. Sierra Leone and Lesotho. Lesotho, France. Yes. Jamaica. Nigeria. Jamaica. Nigeria. I heard that. Yes. Dr. Sherry McFarland, America. USA. Yes. Yeah. Am I correct? Namibia. Yes, Namibia, indeed. The Kingdom of Royal Barotseland. Oh, Barotseland. Thank you. Great. Welcome, Excellency. Thank you. Congo, France. DRC, yes. DRC as well, but calling from France. Okay. Yes, we have friends on the list, indeed. Martinique, but calling from New York. Martinique, indeed. New York, yes, United States, thank you. Okay, so let me start. Liviu from Brazil and Mozambique. Ah, Brazil and Mozambique, great. Zimbabwe. Zimbabwe. Mano River, Ivory Coast, Guinea. Ivory Coast, Guinea. Guinea. Mano River Union. Mano River. Ghana. Ghana. Thank you. Congo, Kinshasa, France. Yes, DRC and France. Okay, that's on the list. Thank you. Île Maurice. Oh, Mauritius. Welcome. Mestre Shiba, Brazilian Day. Brazil, yes. Welcome. Okay, so let me start the... well, we can start the meeting. Nous allons commencer la réunion. Nous avons des gens de la réunion, by the way. Israel, Itcha Kasher from Israel. Israel as well. Réunion, Israel. The Gambia, Liberia, Sierra Leone, Lesotho, France, Jamaica, Nigeria, United States of America, Sudan, Namibia, Barotseland, Martinique, DRC, Brazil, Mozambique, Zimbabwe, Ivory Coast, Guinea, Mauritius, Mano River Union, Ghana. Welcome to everybody. Bienvenue à toutes et à tous. Panama. Oh, Panama. Of course, Panama. We've got the great Melvin Brown. Last but not least, Panama. Welcome, Panama. Thank you. So thank you very much to all of you for attending this meeting. I think Mr. Amisale is very nice. He's willing to make the translation for myself to save me from any kind of headache. Monsieur Bissali, je vous laisse traduire. Je vais, à la demande de Monsieur le Premier ministre, l'aider pour lui épargner d'avoir des mots. Voilà, c'est ça. You are saving my health. Pour essayer de, pour qu'il puisse conserver aussi sa santé. Nous en avons bien besoin. So all of that, as you know, is in the context of the International Day of the African Diaspora. It is supposed to be July the 1st, but we have so many events. It will be the 1st, the 2nd, the 3rd, the 4th, and bigger every year. Tout cela, c'est dans le cadre de la Journée internationale de la diaspora. Et nous aurons des activités... le 2, le 3 et le 4. But I can see in the room also our ambassador from Haiti, and I didn't mention Haiti in the list, so welcome Haiti. Je vois aussi dans la salle notre ambassadeur de Haïti que je n'ai pas signalé. Bienvenue Haïti. So the IDAD, as you know,
represent and celebrate the birth of the State of the African Diaspora that was launched on July the 1st, 2018, 3 years ago. AIDAD fête aujourd'hui son anniversaire il y a 3 ans, qui a vu la naissance en 2018. And because it is already our legacy, the AIDAD is organized by our dear Minister of Historical Legacy, Mrs. Marie-Ange Biyotebo. Yes, of course. So because when we celebrate the AIDAD, it is a matter of historical legacy, the AIDAD is organized also thanks to the Minister of Historical Legacy, Her Excellency, Mrs. Marie-Ange Biyotebo. Les activités de célébration de AIDAD se déroulent dans le cadre du patrimoine africain et nous voulons saisir cette occasion pour remercier la ministre du patrimoine, l'honorable Marie-Ange Biyotebo. Thank you. Of course, I also want to pay a tribute to our Vice Prime Minister, Mrs. Ketura Amoako, who is also dealing with, of course, these topics which are so dear to our heart. Nous voulons aussi rendre un hommage appuyé à notre Vice Premier Ministre, l'honorable Amoako, à qui nous voulons tirer notre chapeau pour tout le travail qu'elle fait. Elle a en charge le patrimoine. And of course, I want to pay a tribute to all the people in the room or even out of the room because it is definitely a collective effort. We are a chain, and any part of a chain is essential to the chain. Je voulais aussi rendre un hommage appuyé à tous ceux qui font partie de cette chaîne. Nous sommes en liaison les uns avec les autres. Et je voudrais également saluer tout un chacun. So, yesterday, just to remember the achievements from yesterday, first of all, we mentioned the official calendar of the State of the African Diaspora. Nous voulons aussi saluer la première journée qui s'est déroulée hier, et rendre aussi un hommage à tous ceux qui sont intervenus. So the official calendar of the State of the African Diaspora will be published as soon as possible on our website, and you will be able to refer to it. Le calendrier officiel de toutes ces activités seront publiés sur notre calendrier, sur notre site officiel. Ainsi, chacun pourrait le consulter. The second achievement that we had yesterday is about the launching of the Royal Chamber of the State of the African Diaspora. La deuxième performance que nous avons acquise hier, c'est l'installation de la Chambre royale. And as you probably heard, if you could attend the meeting, it is now co-chaired first by our Minister of Historical Legacy, Marie-Ange Biyotebo. Et comme vous l'avez constaté, la ministre chargée du patrimoine, Madame Marie-Ange Biyotebo. Oui, donc elle va co-diriger la Chambre royale. Elle va co-diriger la Chambre royale, oui, tout à fait. And the second person to lead the Royal Chamber, the other co-president, is Chief Karumbira. La deuxième personne qui va co-présider la Chambre royale, c'est Chief Karumbira. Who is the leader of the kings of Zimbabwe. Qui est le leader des rois du Zimbabwe. And also the president of the Parliament of the African Union. Et également le président du Parlement de l'Union africaine. So all of these events are really
importance move forwards, and we are very happy for these achievements. Et tous ces événements sont très importants et nous sommes heureux de la manière dont tous ces événements se déroulent. Today, we are going to speak about two particular topics. The first one is the Pan-African Olympic Games. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets. Le premier, c'est les Jeux Pan-Africains. And the second one is about the SOAD University. Et le second sujet, ce sera l'université de l'État de SOAD. But before we actually dive into these topics, I would like to give a floor to the Vice Prime Minister and to the Minister of Historical Legacy, and then we will move to the first panel. Avant toute chose, je vais donner la parole au Premier ministre chargé du patrimoine culturel et avant toute autre propos. Please, Mrs. Amwako, we are listening to you. Thank you very much, Prime Minister, and may I first welcome all, if any are in the room, I must welcome first all our great kings and queens and monarchs and traditional leaders, all the excellencies in the room, distinguished dignitaries, and all honorable SOAD government members, friends and family, guests and supporters, all protocols observed. Thank you very much again for attending. Yesterday, again, as the Prime Minister was saying, was a fantastic. Can you hear me? I think Mr. Amiseli needs to make the translation. Oh, sorry, yes. Yeah. I'll need you the translation, Mr. Prime Minister. Did he want to, should I say it again? Does he want me to say it again? Yes, probably. Okay. Mr. Amiseli, I'm going to say the introduction again. May I first welcome all the great kings, queens, monarchs, traditional leaders. Je voudrais tout d'abord saluer et remercier nos chefs traditionnels ainsi que les rois et les reines. All excellencies, distinguished dignitaries, and all honorable SOAD government members. Et tous les dignitaires présents ainsi que tous les membres de l'État de la diaspora. Friends and family, guests and supporters, all protocols observed. Nos amis, nos parents, tous en beau rang et grade confondus. Thank you very much. And I won't be too Merci long beaucoup. At all. I just wanted to welcome everybody again for this second session. I'm sure it's going to be as powerful as yesterday. And of course, the days to come. I hope that you will learn a lot from today's session of where SOAD is going, the trajectory that we are on. And we just want to hope that you will all be on this journey with us. Because it is a powerful journey. Okay, it is you need to leave some time for Mr. Amiseli. Oh, God, sorry. Okay. Donc, Madame la vice-première ministre disait comme ça que la journée d'hier était très magnifique. Elle espère que celle d'aujourd'hui le sera également et que nous allons apprendre beaucoup comme nous l'avons fait hier. Yes, and I hope that going forward, we'll have as many of you with us on board so that when we realize our Pan-African Renaissance, we will be realizing it together. Et j'espère que nous serons encore plus nombreux que la dernière fois, à telle enseigne que lorsque nous allons lancer les activités de notre État, la diaspora, nous puissions tous ensemble aboutir à quelque chose de grand. So all the initiatives and activities you're about to hear over the next few days. Toutes les activités dont vous allez être les témoins pendant ces quelques jours qui vont suivre. We hope that not only could you and hopefully you will participate in them, but also to, if not just to support us and to extend what we are doing to your networks. That would be so much appreciated in making SOAD and the global family one of the leading organizations in the world.
Pour ceux qui ont l'opportunité de pouvoir participer avec nous, et vous serez aussi bien que ceux qui ne pourront pas être là, les témoins qui pourront amplifier ces nouvelles, ces événements pour que l'état de la diaspora africaine puisse être reconnu et connu à travers le monde entier. Thank you. And for Sunday, we're hoping that you can all be with us on Sunday for the coronation of Marie-Ange Billot-Thibault. And myself, and what I will do is post the invitations to you in the chat so that you can download it and circulate. J'espère que vous serez nombreux avec nous dimanche pour assister au couronnement des deux reines que sont Madame la vice-première ministre et Madame la ministre Marie-Ange Thibault. So you are all very, very welcome at that ceremony, and we look forward to seeing you there. Thank you very much, and have a wonderful, wonderful day at this conference. Nous espérons que vous serez très, très nombreux pour assister à cette grande cérémonie. Nous vous souhaitons d'avance la bienvenue, et nous vous souhaitons beaucoup de plaisir pour les jours qui vont venir. Merci. So let me give the floor to Mrs. Marie-Ange Billot-Thibault, Minister of Historical Legacy. Nous donnons maintenant la parole à Madame Marie-Ange Thibault, ministre du patrimoine. Good morning, good afternoon, and welcome to all of you. King, queens, monarchs, traditional leaders, Honorable Excellencies, dear colleagues, all of you, according to your rank, grades, and qualities. Je vous salue tous en vos rangs et grades, chers collègues, amis, tous ceux qui participent à cette journée. Welcome. Thank you to be here. So we are happy with the Prime Minister to open this second day of celebration of the International Day of African Diaspora. Nous sommes heureux que vous preniez encore part à cette deuxième journée de la diaspora africaine, dont l'ouverture, la deuxième journée, l'ouverture va se faire par notre bien-aimé cher Premier ministre, le Dr. Georges Luitin. The 1st of July is becoming now an important day to announce and launch, and it is a moment for us to talk about the future and also to remember the past. Le 1er juillet devient à partir de maintenant une journée très importante pour nous pour non seulement faire le lancement comme l'anniversaire comme nous l'avons fait, mais aussi pour célébrer les activités de l'état de la diaspora. This afternoon, we are going to talk about the launch in 2020 of 23, sorry, of the Olympic Games, the Pan-African Games. And we will also talk this afternoon about the launch of our University of SOAD, in September this year. Nous allons parler des Jeux panafricains qui vont se dérouler en 2023, et nous allons également parler du lancement de notre université, l'Université de l'État de la SOAD. I wish you all a very good time with us. Je vous souhaite à tous un très bon moment en notre compagnie.
Welcome again to all of those who are coming in the room right now. Bienvenue à tous ceux qui viennent de faire leur entrée dans la salle maintenant. We are ready now to launch the program. Nous sommes prêts maintenant à lancer le programme. Thank you very much. So the first panel is about the Pan-African Olympic Games. Le premier panel s'agit du jeu panafricain, olympique panafricain. The Minister of Sports, Mr. Kodjo, was supposed to make the presentation. Le ministre des Sports, Monsieur Kodjo, est supposé faire la présentation. But I'm afraid he has some technical problems, apparently. Je crains qu'apparemment il y ait quelques problèmes techniques. So I will make the presentation myself about these Pan-African Olympic Games. Ceci étant, je ferai moi-même la présentation des Jeux Pan-Africains Olympiques. Of course, everybody knows about the Greek Olympic Games, the Games, the Anglophone Games, and many others. So I think we are also entitled to have our own games. Je pense bien que tout un chacun a déjà entendu parler des Jeux Olympiques grecs, des Jeux européens, etc. Donc nous voulons aussi instituer nos Jeux Olympiques au niveau de l'état de la soie. Of course, you will have different sports like basketball or soccer, for example. Nous aurons beaucoup d'autres jeux comme le football, le basketball. But also, we will have very Pan-African activities like, for example, capoeira. Nous aurons des activités purement panafricaines telles que le capoeira. As we know, capoeira is coming from Mozambique, was developed through African people in Brazil, and now is everywhere in the world. Comme vous le savez, le capoeira est venu du Mozambique, s'est développé au Brésil et maintenant qui est connu à travers le monde entier. So capoeira is obviously a Pan-African game, so we need to have capoeira in the Pan-African Games. Donc, de toute évidence, capoeira est devenu un jeu panafricain. Donc, c'est tout à fait normal que nous ayons le capoeira dans nos Jeux Olympiques panafricains. Also, we will have a competition of urban dances. You know, all these dances like Smurf, that were the people in North America, they perform these dances. Nous aurons également les danses urbaines telles que le Smurf dance et bien d'autres danses que vous connaissez. Nous aurons également ce genre de danse dans nos Jeux panafricains olympiques. These beautiful performances were created by the African American people in North America. They are also part of the community and the Pan-African Games. Toutes ces grandes performances ont été réalisées par des Américains, des Afro-Américains, et nous sommes vraiment heureux que nous puissions introduire cela dans nos Jeux Olympiques au niveau de l'état de la soie. Also, for example, Awale is a game, and you will have a competition of Awale in the Pan-African Olympic Games. Également, il y a le jeu de l'Awale qui sera est présent dans nos Jeux panafricains. Il y aura les Jeux de l'Awale. And we will develop that game in a few minutes. Et nous allons entrer dans les détails de ce jeu dans quelques minutes. I would like to share my screen and pay a tribute to Liberia. Je voudrais exposer maintenant mon écran et rendre un hommage appuyé au Liberia. Thanks to Mr. Gopro, our Worthy Ambassador, who is here in the room with us, we have now a partnership with the government. Nous voulons remercier l'ambassadeur Gopro
qui est ici dans la salle et nous voulons saluer le gouvernement. Thanks to the Minister of Sports, we have now the authorization to organize the Pan-African Olympic Games in Liberia. Merci à Monsieur le ministre des Sports. Nous avons une autorisation. Ainsi donc, nous pourrons organiser les Jeux panafricains au Liberia. So, I think you can see on my screen the letter, the formal letter of the Minister of Sport, Mr. Zoga Wilson. Comme vous pouvez le constater sur mon écran, vous avez la lettre écrite des mains et signée des mains du ministre des Sports du Liberia, l'honorable Zage Wilson. And that's also an opportunity for us to discuss with the president and to have his support, President Weah, who is also, of course, a champion in terms of sports. C'est également une grande opportunité pour nous de pouvoir discuter avec le président de la République du Liberia, le Dr George Weah, qui est un grand sportif et qui sera un de nos interlocuteurs. Yes, so this is what I wanted to say about the Pan-African Olympic Games. Voici donc ce que je voudrais vous dire à propos des Jeux olympiques panafricains. Now, let me give the floor to Mr. Mukalenge. Maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Mukalenge. Who is one of our great ambassadors, and he has designed for us the logo, which he will present to you. Qui est un de nos grands ambassadeurs, qui va vous présenter le logo qu'il a dessiné et qui va vous le présenter maintenant. Alors, Monsieur Mukalenge, je ne sais pas si vous êtes là. Alors, Monsieur Mukalenge, je vous ai vu tout à l'heure. Oui, je crois que Monsieur Mukalenge est là. Oui, il faut... C'est mon micro qui est coupé. Voilà. Son micro. Très bien, on merci, vous entend. Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre, de la parole que vous m'accordez. Je félicite le Prime Minister for the floor you give to me. Je félicite le gouvernement pour l'initiative prise concernant ces jeux. I want to congratulate the government of SWAD for. Oui, parce que les jeux, de façon générale, et les sports en particulier, sont un vecteur de rapprochement des peuples. Allô? Allô? Vous m'entendez? Alors, on vous entend, oui. Oh, oui, donc que... les sports étant... Oui, ma félicitation, c'est à cause de l'idée de penser à rassembler par le sport qui est un vecteur de rapprochement des peuples, et c'est vraiment quelque chose de magnifique. Alors, je ne sais pas si monsieur Amissalé. Monsieur Amissalé, est-ce que vous entendez? Il y a un problème avec la connexion. Ah bon, ben, je vais faire momentanément la traduction, et comme ça, vous pourrez présenter le logo en partageant votre écran. D'accord. Donc, j'étais en train de dire que je félicite le gouvernement d'avoir pris cette initiative. So I praise the government for making this initiative. Parce que les sports en général et les Olympiades en particulier, c'est un réseau et une base de rapprochement des peuples. Because sports in general and Olympiads in particular are a way to create closeness between peoples. C'est aussi l'expression de civilisation. It's also an expression of civilization. Autrefois, dans les Olympiades auxquelles on fait toujours référence, on présentait le théâtre chez les Grecs. Nous allons présenter notre capoeira. In the Greek tradition, they would introduce, for example, their theater. We will introduce our capoeira, for example. Avec toutes mes excuses d'en profiter pour dire j'appellerai de tous mes voeux le gouvernement et particulièrement
notre ministre du patrimoine de savoir si notre capoeira est déjà enregistrée comme patrimoine immatériel à l'UNESCO. And I want to ask our Minister of Historical Legacy to know if capoeira has been recorded in the UNESCO as a legacy of humanity. Alors, vous voulez partager votre écran? Mon écran, oui, j'aimerais bien. Pour montrer le logo, il faut appuyer sur écran partagé en bas. Écran partagé, alors je ne le vois pas. Oh, pardonnez-moi. Sinon, moi, si vous avez l'élément que vous pouvez présenter, je ferai la description à partir de ce que alors, vous avez. Là, je n'ai pas prévu, je n'ai pas sous la main. Mais vous ne voyez pas en bas, écran partagé sur votre écran? Quand vous passez le curseur sur... Je vois participer, écran partagé. En bas, arrêter la vidéo, participant, écran partagé. Arrêter la vidéo, participant, écran partagé. Alors, ça n'apparaît pas chez moi, je ne sais pas pourquoi. Bon, alors, j'ai l'écran. Alors, et la vidéo. Parler, je vais essayer de chercher moi-même le. Avec toutes mes études. Sinon, je pouvais me remémorer de. Non, mais allez-y, continuez. Je vais pendant ce temps. Dire... Je vais vous répondre, monsieur le Premier ministre. Je n'ai pas eu l'occasion de répondre. Oui, le cercle de Capoeira est inscrit au patrimoine immatériel mondial de l'humanité depuis 2014. D'accord. Génial. Nous sommes dans le bon. Et nous allons promouvoir quelque chose de précieux que le monde connaît déjà. Alors, Continuez, je cherche l'image. Le logo officiel des Jeux Olympiques, ce sont des anneaux. Alors, monsieur l'ambassadeur, qu'avez-vous ajouté? Il y a les anneaux. On a enlevé aux anneaux initiales qui sont cinq. Généralement, c'est cinq anneaux pour représenter les cinq continents. On aurait bien voulu le faire aussi, mais on a évité toute forme de plagiat. Ok. C'est pour cette raison. Alors, monsieur Amidalé, êtes-vous de retour? Oui, oui. Ok, ok. Mr. Mukalenge was saying that there are five rings which represent the games, but they didn't want to add more rings to make it too complicated. So, donc là, je pense que tout le monde voit mon écran avec le logo. Oui. Voilà. Oui. Oui. Donc, Monsieur Mukalenge, je vous laisse continuer la présentation. Monsieur Mukalenge? Oui, la suite, en rebondissant sur ce que notre ministre du patrimoine vient de dire. Donc, notre capoeira est bien classé comme patrimoine immatériel. Et c'est une très bonne chose. Donc, nous allons présenter des choses valeureuses. Elle me parle aussi des anneaux. Je laisse présenter le logo. Voilà, c'est ça. Parce que voilà, alors... les anneaux. Généralement, les Olympiades ont cinq anneaux. Five rings. Yes. Et ils sont faits en deux rangées, les autres au-dessus et les autres en bas. Nous avons opté pour éviter tout plagiat. Nous cherchons aussi l'originalité panafricaine. We have chosen to avoid to copy. C'est pour cette raison que nous sommes limités aux couleurs de nos emblèmes. That's the reason why we keep the color of our logo. Les anneaux que nous présentons, nous prêtons une expression qu'évoque souvent une des associations nantais qui parle beaucoup de la mémoire
de nos parents qui sont partis à travers l'esclavage. Nous parlerons des anneaux. Monsieur Mukalenge? Allô? Oui, ce sont les anneaux. Nous avons présenté là ce que nous pouvons appeler les anneaux de la mémoire. We have presented to you what memory. Alors, ces anneaux de la mémoire nous permettent de présenter les quatre couleurs qui sont des couleurs qui rappellent la plupart des drapeaux panafricains. The rings of memory are represent the Pan-African qui sont l'addition du drapeau que Marcus Garvey avait présenté en 1940. Il y a le drapeau. It looks like the flag that Marcus Garvey has presented in 1940. Il y avait les trois couleurs vert, noir et rouge. We get colors green, black and red. Et nous y avons ajouté le jaune que nous avons tiré d'un des drapeaux de que Ménélique à l'époque avait fait lorsqu'il a repoussé les forces coloniales italiennes. And we have added the red, the yellow. We have added the yellow rings to remember when King Melenik has pushed off the Italian from his country. Ça veut dire que nous additionnons l'union de tous, le rapprochement que voulait Marcus Garvey. It means that we gather everybody, that's the mindset of Marcus Garvey. Et nous y ajoutons ce drapeau qui montre la bravoure parce que les Olympiades sont aussi arrivées là où vous allez remettre la flamme parce que c'était des gens qui couraient pour aller remettre la flamme là où on leur a demandé de l'amener. It's also show the bravery and the light for those who are in charge of bringing the torch to the place where they are supposed to light the torch for the starting of the Olympiad. C'est un moment de performance. It's a period of achievement. Parce qu'il faut être combatif. Because you have to be a fighter. Et c'est aussi un moment de rassemblement. And at the same time, it's the period of gathering. C'est ça, c'est pour cette raison l'emblème de 2020-2040, c'est l'emblème qui a été d'ailleurs dédié au peuple panafricain dans le monde. The reason why the logo is the logo that has been chosen for the Pan-African people in the world. So thank you very much. I love you. Merci. Juste une petite conclusion, Monsieur Mukalenge. Après, je passe la parole à Monsieur Sack. Voilà. Globalement, Donc, en toile de fond, nous allons voir tout notre emblème actuel de la SOAD, c'est-à-dire ces oiseaux qui représentent bien entendu tous ceux qui étaient partis, qui reviennent chez eux. In filigram, we will see all those birds who symbolize those Africans who leave the country and who are coming back to Mother Africa. Merci beaucoup. Thank you so much.
Okay, so we're going to continue. I think Kitra is sharing her screen, but it is the screen of Jacqueline Johnson. Yes, Jacqueline, why are you sharing your screen now? Perhaps it's not the right time. So, Jacqueline. Je pense que c'est pas le bon moment de partager votre. Yes. So, let us continue with the Pan-African Games. Donc, avec les Jeux Pan-Africains. I would like to give the floor to Mr. Robert Sarr, who is in the room, I think. Yes, he is. I saw. Je vais donner la parole à Monsieur Robert Sarr qui est dans la salle. And he is leading the bicycle organization in Liberia. C'est lui qui conduit le tour cycliste au Liberia. We will organize the Pan-African Bicycle Tour. Nous allons organiser le tour cycliste panafricain. And the idea is to go around the world because Africa and the diaspora are literally the world. L'idée c'est d'aller à travers le monde parce que le tour panafricain c'est à travers. So we will cross different countries like UK, Jamaica, Panama, Brazil, Liberia, Zimbabwe, etc. Nous allons traverser des pays comme l'Angleterre, le Panama, Zimbabwe, Liberia, etc. And at the end of the day, we will come to Egypt at the feet of the pyramids. Et à la fin, nous serons en Égypte au pied des pyramides. So we are going back to Africa, obviously. Donc, de toute évidence, nous revenons en Afrique. So let me give the floor to Mr. Robert Sarr. Welcome, Excellency. Donc, je laisse maintenant la parole à Monsieur Robert Sarr. Soyez le bienvenu, Son Excellence. And while he's speaking, I'm going to share my screen to show you the leaflet presenting the Pan-African Bicycle Tour, which is part of the Olympic Games. Et pendant qu'il sera en train de parler, je vais vous présenter le dépliant qui fait mention du Tour cycliste panafricain. So, Mr. Sarr, we are listening to you. Donc, Monsieur Sarr, nous vous écoutons. Mr. Sarr? Monsieur Sarr, s'il vous plaît. I know he's in the room. Je sais qu'il est dans la salle. Mr. Sarr? Monsieur Sarr? Peut-être c'est le micro qui est fermé. Oui, Mr. Sarr? Non, je crois que le micro est ouvert. Mr. Sarr, Robert, can you hear me? Mr. Sarr? Mr. Sarr, on le voit, mais j'ai l'impression qu'il ne nous entend pas ou qu'on n'arrive pas à l'entendre. C'est un petit problème technique. I can see Mr. Sarr, but I think that we cannot hear him. Bon, je fais une dernière tentative. Mr. Sarr, can you hear me? Monsieur Sarr, est-ce que vous m'entendez? Well, no, he's not accessible at the moment. So I hope we can hear him later. Je pense que nous pourrons certainement l'entendre plus tard. Yes? Sorry, I was just checking, is he in the room? Because I could ask him to unmute his mic. Could you give me the name of the gentleman? Kodjo. Kodjo. K-O-G-O.
Okay, it doesn't appear that he's in the room. Well, he's been disconnected because 5 minutes ago he was with us, but he's been disconnected, obviously. Okay, all right. So, yes, we need to continue. So let us continue with Awale. I said a few words about that a while ago. Donc, nous allons continuer avec le jeu de la... So, as we said, Awale is also a game, and certainly a Pan-African game. Comme nous le disions tantôt, l'Awale, c'est un jeu certainement pan-africain. And if you refer to the newsletter that was published last month, well, in May, I think, you will see many, many, many information about all our activities regarding the Awale. Si nous nous rapportons à la newsletter du mois de mai, vous allez constater qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations relatives au jeu de la Wallet. So, let me give the floor to the people in charge. I don't know if the people who organized the championship of Awale are in the room, because they also had technical problems. Yes, they are here. We have got Jackie Johnson and Mr. Soumaoro. Mr. Soumaoro, well, do you want to take the floor and present the championship that you have already organized and which will be part of the Pan-African Olympic Games? Est-ce que Monsieur Soumaoro, vous pouvez prendre la parole et vous faire un peu l'état de ce que vous avez déjà organisé par rapport au jeu de la Wallet? Mr. Soumaoro? Mr. Soumaoro, s'il vous plaît. Ah oui, il était là il y a 2 minutes, donc là encore, c'était déconnecté. Je crois que l'Internet est très mauvais partout aujourd'hui. It was there 2 minutes ago, but I think that is disconnected. Internet today is very bad. Madame la ministre du patrimoine, vous voulez dire quelque chose sur la Wallet? Madame Minister of Legacy, can you say something about the Awale? Yes, of course. I can share my screen. I have got two videos, and I must also inform everybody that a federation of Awale will be informer tout le monde que la fédération d'Awale. And we have also requested that the 25 kilos Awale be in the Guinness record. Et nous avons aussi demandé que les 26 kilos du poids de l'Awale soient inscrits au palmarès Guinness record. So I will show you a video about what Africa offers to the world. Awale. Je vais vous montrer une vidéo de ce que l'Afrique offre au monde, l'Awale. We have got Jackie Johnson now saying that she wants to share something. Jackie Johnson. Nous avons maintenant Jackie Johnson qui veut partager quelque chose. I saw this person saying that she has got or he has got something to share. Allô, on m'entend maintenant? Oui. Oui. On m'entend mieux? Alors, oui. Qui est-ce qui parle? Parce qu'on ne voit pas le nom sur l'écran. C'est Soumaoro. Ah, Soumaoro, vous êtes de retour. Oui, alors on vous laisse la parole, en effet. Monsieur Soumaoro est le chargé de communication de l'association ANA qui s'occupe de la fédération de l'Awale à Paris. Mr. Soumaoro is in charge of communication of the NGO ANA, who is based in Paris. Merci beaucoup.
Je vous remercie. En différentes qualités réunies, je voudrais simplement remercier le Premier ministre. Merci à Madame Marie-Ange Biot. Je n'oublie pas la vice-première ministre, les différentes personnalités présentes ici. I would like to greet everybody in your room and your quality, all quality and respect observed for all, starting by the Prime Minister, the Vice Prime Minister, the Minister of Legacy, and all the authorities, the ambassadors who are in the room. Nous avons eu donc une merveilleuse expérience avec le mardi 25 mai, qui est le jour consacré à célébrer l'Afrique. C'est vrai que les choses commencent lentement et sûrement, et je pense que les Africains doivent s'impliquer. Et donc, nous avons saisi cette occasion cette année. I think that we have enjoyed a wonderful day, March 25th, last month, with the launching of the Awale game. And I think that the Africans have to get involved in all those activities. Nous avons été donc impliqués dans cette opération qui avait pour objectif de faire découvrir aux Africains davantage cette date. We have grabbed that opportunity to make the Africans understand through that day the value and the worth of the Awale game. Parce que le 25, c'est la journée mondiale de l'Afrique et c'est à travers cette journée que nous avons estimé qu'il était important de situer l'opportunité de faire connaître l'Awale parce que ça coïncide en même temps avec un événement important, celui de l'anniversaire de l'Afrique. Because the 25th was the anniversary day of Africa and we have grabbed this opportunity to make the whole world to know what is the Awale game. Donc nous avons pu faire en sorte que ce soit donc une journée mondiale parce que c'est we la have date. Made this, we have made that day a worldwide day because it's the 25th. Et nous avons également célébré cette date en coïncidence avec le 25 mai qui est également sur l'Europe et la journée mondiale des jeux de société. And this date, May 25th, was also the date of the society game in Europe. So the two, the same date was a coincidence. Et nous avons donc organisé cette manifestation, heureusement en Côte d'Ivoire, parce que la présidente y séjournait, et nous avons pu faire en sorte que les Ivoiriens la découvrent et découvrent également cette opportunité de connaître un peu mieux la Wali. We have grabbed the presence, the opportunity of the presence in Ivory Coast of the Chair Lady of ANA to introduce and make all the world, particularly the Ivorian, to discover more the Awale game. Alors cette année, ANA a pu s'associer à la FIJA, qui est la Fédération Ivoirienne des Jeux d'Awale en Côte d'Ivoire, et nous avons ensemble pu mettre en place cette bonne occasion de redécouvrir l'Awale, d'organiser un tournoi qui a été remporté et également cela a été retransmis donc sur l'Internet. Et bien heureusement, nous sommes en train de continuer à faire en sorte qu'au niveau de la Wale, nous nous situons un peu mieux dans le développement et dans la promotion. The presence of ANA in Ivory Coast was the good opportunity for this NGO to meet with FIFA, which is a federation of Ivorian games, and they have pushed that partnership to build a strong connection with FIFA so that they will organize better through the team that they have built
they will organize better the Awale competition. Donc, cette manifestation s'est déroulée, comme vous avez pu le constater, nous avons abondamment communiqué là-dessus et nous avons pu faire en sorte que cette année, l'Awale a véritablement été mis en exergue dans le cœur de tous les Africains et également au travers de la diaspora, parce que tous ceux qui sont sur la SOAD, qui était notre partenaire de cet événement, a pu également constater que nous avons pu, heureusement, pu réunir beaucoup de monde autour de l'événement. We have grabbed that opportunity with our partnership with the State of African Diaspora to spread and to make known the game of Awale to all those people who were present in Africa's and those who were through the internet get also the opportunity to receive information and a clear understanding about what the Awale game is about. So let me share my screen just to share the newsletter. You know, we published our newsletter about Awale in May. Je vais vous présenter mon écran parce que nous avons largement diffusé sur la Wallée au mois de mai dans notre newsletter. Oui. My Prime Minister, sir, this is Ambassador Evelyn calling from Nigeria. I would like to see the screen you have started sharing. Yes, I think now you can see the screen. Am I correct? Okay. Yes, we can see your screen. So yes, on the left part. About Gauche? The left part. About Gauche? You can see all the names that the Awale bears in Africa, depending on the region where you are. Vous pouvez voir sur l'image de la gauche le nom de toutes... Le nom de. Vous pouvez voir sur la gauche de votre écran le nom que porte la Wallée dans toutes les régions d'Afrique. So depending where you are, depending on where you are, it may be Awale, Ayo, Songo, Angola, Msuwa, Hous, etc. En fonction du pays dans lequel vous vous trouvez, ça peut être Awale, ça peut être Ango, ça peut être Angola, ça peut être ainsi de suite. On the right side, you will see which is now the biggest Awale on earth. Sur le bord à droite, vous pouvez voir le plus grand Awale du monde. So that is why we have written to the Guinness Book of Records, le livre Guinness des records, so that they can actually put that also in their book. Et c'est pour cela que nous avons écrit au record Guinness pour qu'ils puissent ajouter cela dans leur livre des records Guinness. So I think it's 26 kilos. It doesn't look like, but it's very big and heavy. Je pense que ça fait 26 kilos. C'est tout comme, mais vous pouvez le voir, mais c'est très lourd. And also now here you can see our ambassador, Brigitte Decourt. Et maintenant, vous pouvez voir sur l'image en dessous notre ambassadrice, Brigitte Decourt. She's ambassador of the State of the African Diaspora, organizing of the International Awale Championship. Elle est ambassadrice de l'État de la diaspora africaine en charge de l'organisation du championnat d'Awale dans le monde. So the championship was organized for the first time either this year, but it will be done regularly every year. Ce championnat a été a débuté cette année, mais il sera institué et il aura lieu chaque année à partir de maintenant. And also, when we organize the Pan-African Olympic Games, there will be a competition of Awale, of course. Et lorsque nous allons organiser les Jeux Olympiques panafricains, il y aura évidemment une compétition d'Awale. So let me give you a few other pictures of Awale. You can see here on the right side, children playing Awale in the ground.
Je vais vous présenter encore d'autres images de la Wallée. Vous voyez sur notre image à droite des enfants jouant à la Wallée inscrits dans le sol. So you don't need any money. Any child can dig in the earth and play à Wallée. It's very easy, no, not expensive at all, and they can play. Et comme vous le constatez, cela ne demande pas un sou, ne demande pas beaucoup d'argent. Tous les enfants peuvent faire des trous dans le sol et jouer à leur jeu de la Wallée. On the left side, I want to introduce you this statue representing Shamba Bolongongo, King of Cuba. Je voudrais vous présenter dans l'image de gauche Kimba, King, le roi du Congo. And this king bears a tray of awale in front of him. I don't know if you can see it. Et ce roi, vous voyez, il tient dans ses mains, une tablette d'awale. The reason behind is because awale is also a sacred activity in many countries in Africa. La raison cachée, c'est que le jeu de l'awale a un aspect sacré et secret. This king wanted to be a king of peace and harmony. Ce roi veut être un roi de paix et d'harmonie. And in the 17th century, he said that war are illegal in his kingdom, weapons also. Il a dit au 17e siècle que la guerre est illégale et le port d'armes également. On the contrary, he said, I want to promote awale and peaceful activities. That's why he wanted to be represented with his awale. Et il voulait par là montrer que au travers de l'awale, on peut promouvoir la paix, et c'est pour cela qu'il tient le jeu de awale dans ses mains. So that's why, you know, we want to share these two pictures. Awale, the popular game, even children on the soil playing awale, but awale being also a very noble and very sacred activity on the other hand. Et c'est pour cela que nous vous présentons ces deux images. Vous voyez les enfants qui peuvent jouer facilement de la Wallée, inscrits dans le sol, et aussi cette image noble, un roi qui tient une table, signe de promotion et de paix. And for all the rest, you can just have a look on our website. Et pour tout le reste, vous pouvez consulter notre site internet. And today, Awale is also online. You can see it here. Et aujourd'hui, les jeux de la Wallée sont en ligne. Vous pouvez le constater là. And you can see on the left the winner of the Awale Championship, Ekra Kwame Noel. Et vous pouvez voir à gauche le vainqueur de ce championnat d'Awale qui s'est déroulé le 25 mai, Monsieur Ekra Kwame Noel. Thank you. Merci. Thank you to all of you. Now to finish Merci à tous. The section about the Olympic Pan-African Games, I would like to know if our expert in terms of capoeira is in the room. Je voudrais, pour finir avec ce chapitre, demander si notre expert en capoeira est dans la salle. Elle avait des images. Yes. Mestra Shiba Livio Menino. Monsieur Shiba Menino. Livio Menino. Yes, I'm here, Prime Minister. Great, welcome to the room. Monsieur Menino. Thank you. Soyez la bienvenue dans la salle. Mr. Menino is representing Mr. Shiba, who will be in charge of the capoeira for the Olympic Games, and they will form a team with people in Mozambique, Marseille in France, and also all over the world. Monsieur Mumilo représente Monsieur Shiba, Maître Shiba. Monsieur Shiba, Maître Shiba, et avec d'autres partenaires, ils vont mettre sur pied une équipe qui va gérer cette activité. Monsieur Livio est Maître Capoeira lui-même. Monsieur Livio est Maître Capoeira lui-même.
So we give you the floor, Excellency. You just need to unmute your microphone. Nous vous donnons maintenant la parole. Yes. Ouvrez votre... Voilà. Yes. Good afternoon. Je voudrais saluer tout le monde. Je m'appelle Livio Menino. Je suis brésilien. J'ai vu au Mozambique depuis 15 ans. Parce que mon français n'est pas très bon. You may speak in English, we will translate. Yeah, permission to parler en anglais. Yes, of course, continue in English. Okay. Yeah, I would like to say thank you for Prime Minister and other authorities in the person of Mary Bo, the minister as well. Thank you so much for the invitation. As was mentioned, my name is Livio. I live in Mozambique since 15 years, but I'm Brazilian. And we are very honored to be here, me and my master. He's in the room. And in name of our group, I would like to say thank you for the invitation. And I hope that conversation will bring many fruits, many progress for the capoeira in general. Monsieur Molino est avec son patron dans la salle. Il vit au Mozambique depuis 15 ans. Il est brésilien et il espère que, au travers des échanges et des informations qu'il va nous donner, nous aurons beaucoup, beaucoup de lisibilité et d'informations sur ce jeu-là. Let me start to sharing my screen. Just a small video with some activities, some corporate activities, and just a small. Let me share. Je vais partager mon écran avec vous et vous donner quelques chiffres. It's important. The host disabled. I cannot share my screen. Je ne peux pas partager mon écran. The host has to allow. Yes. Sorry. En attendant, est-ce que vous pouvez demander à Maître Shiba de nous saluer pour que, comme vous pouvez le traduire? Is it possible, meanwhile, to ask Mr. Shiba to tell us hello? Yes. Let me translate for him. Give him a second, and let me see if he's in the room. Mestre, o senhor está na sala? Oi. Estou sim, menino. Estou. Mestre. Estou aqui. Bienvenue, Maître Shiba. Bem-vindo, Mestre Shiba. É um prazer estar aqui com vocês. It's a pleasure to be here. C'est un plaisir pour moi d'être là. Donc, que pensez-vous de l'organisation de la capoeira pendant les Jeux olympiques en 2023? What do you think about the organization of the capoeira in 2022? I cannot share my screen. Normally, you're authorized. Normally. Host disable participant screen. Can you try again? Okay, I'm clicking again. Yes, now it's okay. Let me do it. Okay. Can you see the? Can you see it? Yes, it's starting. Okay. Okay. Okay.
Yeah, I think it gives us a good overview. So in 2023, you will have the opportunity to have an international championship of Capoeira. En 2023, vous aurez l'opportunité d'avoir un championnat de Capoeira. So thank you very much, Excellency, for sharing the video with us. Merci beaucoup, Votre Excellence, d'avoir partagé ces vidéos avec nous. And I think I was told that Mr. Sa is back in the room. Mr. Sa, are you over? J'ai entendu que Monsieur Tsar était de retour dans la salle. Monsieur Tsar, bonjour. Mr. Tsar, are you in the room? I think his connection is going in and out. Mr. Robert Tsar? No, he was disconnected again. The connection is very, very bad for him. Okay. Well, I think we can conclude this first session, this first panel, just to give you an overview or a kind of taste of what the Pan-African Olympic Games will look like. Nous allons finir cette première session en vous donnant nous avons donné un aperçu de ce que seront les Jeux olympiques de notre état de l'histoire. And of course, you will have other disciplines, I mean disciplines that you all know, like soccer, basketball, or running, but also we insist very much on the Pan-African disciplines like capoeira, awale, or breakdance, for example. De toute évidence, vous aurez les autres jeux que vous connaissez, mais nous voulons mettre un accent particulier sur nos jeux propres, tels que l'awale, le breakdance, le capoeira, qui sont des activités, des jeux purement africains. And we will also pay a tribute to all the sports people, you know, who fought against racism in the past. Et nous voulons aussi honorer tous ces athlètes qui ont combattu au travers du sport le racisme. Nous voulons leur rendre un hommage appuyé. So we can think of people who were against Hitler, who were against Mr. Trump, who were against different kind of people. Nous pouvons penser à des gens, par exemple, qui étaient contre Hitler, qui étaient contre le président Trump, etc., etc. So we can think of Muhammad Ali, we can think of Pelé, we can think of Colin Kaepernick, we can think of many others in all kinds of sports. Nous pouvons penser à tous les noms que le Premier ministre vient de mentionner, Kaepernick, etc., dans toutes les disciplines sportives. And while many people take it for granted that Black people are excellent in sports, quand les gens prennent à la légère en disant que les Noirs sont excellents dans le sport, they need to be reminded that originally, when sport was created by Pierre de Coubertin at the beginning of the 20th century, qu'il se rappelle que les Jeux Olympiques, l'initiateur des Jeux Olympiques, c'est le baron de Coubertin qui a lancé cette idée. And then he said that sports is created by him to promote the white race. Et il a déclaré que le sport a été
créée par lui pour faire la promotion de la race blanche. And that is why black people were excluded, officially excluded from sport at the beginning. Et c'est pour cela que les Noirs ont été de façon officielle exclus des sports au départ. And now, look at where they are. Et maintenant, regardez où est-ce qu'ils en sont. So, I mean, it shows that whenever we are excluded from somewhere, we can still be the best ones. Cela montre que chaque fois que vous êtes exclu de quelque part, vous pouvez être le meilleur. So thank you. So now that leads us to universities. Of course, education is the best way to be the best wherever you want to be. Et donc, ceci nous a parlé de l'université, de l'état de la diaspora. L'éducation, c'est le meilleur endroit où vous pouvez être le meilleur. So that is why the state of the African diaspora is creating the SOAD University. Et c'est pour cela que l'état de la diaspora a créé l'université de SOAD. And that will be the topic for the second session. We are just on time. Et ce sera le thème pour la seconde phase et nous sommes dans le temps. This university will be launched in September, which is normal. According to the calendar, cette université va être lancée en septembre, ce qui est tout à fait normal, c'est le calendrier. But we wanted to give you already a kind of overview, a sense of a taste of what it will look like in a few months. Et nous voulons vous donner un aperçu, un goût de ce que cela va être dans quelques mois. So I'm working on it with our Minister of Education, Mrs. Sherry MacFarland. Je travaille sur la question avec notre ministre de l'Éducation, Mrs. Sherry MacFarland. She is now in Sudan, and her connection is also very difficult. I saw her a while ago. I don't know if she's still in the room. Elle est actuellement au Soudan, et sa connexion est très, très difficile. Je l'ai aperçue dans la salle. So, Mrs. MacFarland, are you available now? I don't know. Yes, I am. Madame MacFarland, êtes-vous là? Oui, je suis là. So, yes, I will be able to give her the floor in a few minutes. And I want also to mention our Minister of Gender Equality. Dans quelques instants, je pourrais lui donner la parole, mais je voulais aussi signaler la présence de notre ministre du genre, l'égalité du genre. So, Rosa Campo-Alegre, Campo-Alegre Septen. C'est Madame Alegre Campo-Alegre. Yes, and she is also leading the university. Elle est aussi en charge de la conduite de l'université. And she is from Cuba, and you may know that because of the blockers against Cuba, they do not have access to Zoom. Et elle est du Cuba, et vous savez que avec le blocage sur Cuba, ils n'ont pas accès au Zoom, à la connexion Zoom. So that is the sad reason why she's not able to be with us today, but I want to tell you that she's working with us very much on the university. Et c'est la triste raison pour laquelle elle n'est pas avec nous, mais je peux vous assurer qu'elle va travailler avec nous sur la question de l'université. So we have now more than 20 faculties in the university. Nous avons à partir de maintenant plus de 20 facultés dans notre université. It goes from the Faculty of Pan-African Languages, and the leader is in the room. I will give him the floor in a few minutes, Mr. Obot. À commencer par les langues panafricaines avec le responsable qui est dans la salle, Monsieur Obot. Dans quelques minutes, je vais lui donner la parole. We have a faculty of medicine, and also I hope the leader is in the room. This is Aimé Tambwe and Nguama de Vilaine. Nous avons la faculté de médecine dont le responsable est dans la salle, M. Ngwe.
We have a school of aviation, and I hope also the leader is in the room, Mr. Arc. Nous avons aussi l'école de l'aviation. Je pense que le leader aussi est dans la salle, Mr. Arc. We've got the business school. Mr. Mate is running this faculty. Nous avons aussi l'école du business, Monsieur Maté, qui est le responsable de cette faculté. We have also, as an example, the Pan-African Institute of Space Sciences and Technologies. Nous avons aussi l'espace panafricain des sciences et technologies. Under the authority of Cheikh Modibo Diarra. Sous la conduite de l'honorable Cheikh Modibo Diarra. You know that he used to be the Prime Minister of Mali. Vous savez qu'il a été Premier ministre au Mali. And also he was a project director in the NASA in the United States. Et qu'il a été aussi le chef de projet à la NASA aux États-Unis. So with this faculty, we will also build satellites and the first rocket launch from Africa before the end of this decade. Et aussi, nous pourrons lancer notre satellite qui sera le tout premier, la diaspora va lancer son satellite qui sera le tout premier dans cette décennie. Alors, pas le satellite qui sera le premier, mais la fusée. Donc, la fusée sera lancée d'ici la fin de la décennie. Là. Et ça sera effectivement la première fusée lancée depuis l'Afrique. Voilà. OK. Merci bien, Monsieur le Premier ministre. So, let me give the floor to Sherry McFarland. Thank you, Sherry, for being available. I know it's a challenge to be connected in Sudan, usually in the afternoon. So, thank you for being with us. Yes, it's a pleasure being here, and I'm excited about us going online this September. We have, like you said, the several classes being offered. We have several director of faculties that have been devising their curriculum and actually recruiting and soliciting very sophisticated other professors to assist them in their ability to teach and instruct tomorrow's African leaders. So the school is, as many of you've heard on previous occasion, the mission is to support and dedicate our efforts to Pan-African initiatives worldwide, because the African world is greater than the continent itself. That Mr. Amisale needs to make the translation. Oh, okay. Yes. OK, de façon générale, il faut dire que Madame la responsable de ce département dit qu'il y a déjà beaucoup de programmes, il y a beaucoup d'enseignants qui sont prêts, qui veulent montrer la capacité des Africains eux-mêmes à innover dans le domaine de l'éducation et qu'ils sont déjà très enthousiastes pour démarrer tout ça. Okay, and we just look forward to a successful, endeavor in September. We also are going to also be represented at the another Pan-African initiative that's associated with Howard University. And we will be presenting. Some of the faculty members will also be hopefully addressing people at this conference. And we look forward to these great endeavors that we're going to be engaged in the promotion and protection of Pan-Africanist ideologies worldwide. Thank you very much. Qui sont prêts à présenter tous ceux qui vont intervenir, qui sont très nombreux, très enthousiastes et qui sont prêts à montrer ce qu'ils peuvent faire pour aider l'Afrique. Merci beaucoup.
Okay. Well, thank you very much. Merci beaucoup. So I would like to give the floor to Mr. Obot, William Obot. Je voudrais maintenant laisser la parole à Monsieur William Obot. And Mr. Obot is leading the Faculty of Pan-African Languages. Monsieur Obot est le responsable de la faculté des langues panafricaines. And I think that is a very good way to start. Je pense que c'est une très bonne façon de démarrer. Because we need to promote our own languages. Parce que nous avons à promouvoir nos propres langues. Not only the African languages. Pas seulement les langues africaines. But the Pan-African languages, so that will include, for example, Creole. Mais les langues panafricaines, qui va comprendre le créole. And you certainly know that both Creole and Swahili are official languages in SOAD. Vous savez que le créole et le Swahili sont deux langues officielles pour l'état de la diaspora. Even if, of course, we also have English, Portuguese, Spanish, and French. Et évidemment, nous aurons l'anglais, l'espagnol, le français. Yeah. So, let me give the floor to Mr. Obot. Please, Excellency, please, would you like to take the floor? Votre Excellence, s'il vous plaît, vous pouvez vous prendre la parole? And you need to unmute your microphone. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Mr. Ark? Obot? Monsieur Obot? Yes, can you hear me? Est-ce que vous m'entendez? You need to unmute your microphone. Veuillez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Mr. Obot, you need to, yes, now keep your microphone like that, and now I think you can speak. OK, laissez votre micro tel qu'il est. Je pense que maintenant vous pouvez intervenir. Thank you very much. We're listening to you. Yes. Can I speak now? Nous l'écoutons. Yes, thank you. William Obot from Nigeria, and I am the moderator of Afro Science Foundation. I'm here to represent the Afro Science Foundation, who is part of African Diaspora University. Yes, so Mr. Amisele is going to translate. Mr. Amisele is going to translate. Monsieur Amisele, vous n'êtes peut-être pas bien entendu, parce que le son est très mauvais. Le son est mauvais, justement, monsieur le Premier ministre. Il peut reprendre. Alors là, je peux, comme je sais ce qu'il disait, c'est vrai que le son est très mauvais, okay. Je peux traduire parce que j'ai deviné ce qu'il disait. Donc, il disait qu'il s'appelle okay. Monsieur Obot, il est au Nigeria. Oui. Il dirige en fait la Fondation Afrosciences et qui travaille sur le langage et le langage scientifique en Afrique. Mais maintenant, il dirige aussi la Faculté de l'État de la diaspora africaine. Alors, j'espère que le son va s'arranger pour que vous puissiez entendre parce que c'est vrai que c'est difficile. Please, Mr. Obot, continue. Mr. Obot? Hello, can I go ahead? Yes, please. Okay. So the African, Pan-African Languages Faculty of the State of African Diaspora is Africa. Mm-hmm. And this is designed to enable those who are in different languages of Africa to do so from wherever they are in the world. And so le son est
est très mauvaise. Allô? Hello? Hello? The sound is very, very, very bad. Yeah. The sound is bad. Can't hear. Sorry. Yes. Hello, Monsieur le Premier ministre? Okay. Oui. Can you hear? Est-ce que vous avez un son plus clair? Non, moi non plus, de mon côté, le son est très difficile, je l'avoue. Ah. Mr. What do you want perhaps to... Yes, could you repeat? Because the sound is very, very bad. But I can hear you now. I can hear you clearly. On n'a pas mis à sur... Oh. Ok. On a mis sur radio peut-être. Yes, hello. It's let us try again, and if we cannot, then we will continue, hoping that it will get better in the few minutes. Mr. Robert, do you want to continue, perhaps, just to see? Let's continue, but hoping that the sound will be better, but we can proceed. Okay. Well, I'm sorry. We need to apologize because the connection is terrible. So we need, that's a challenge of the internet, you know, in general. So let us continue. I think we've got Mr. Ark in the room. So Mr. Ark, who is leading the School of Aviation. Nous allons laisser maintenant la parole à M. Arc, qui est le responsable de l'école d'aviation. Yes, M. Arc Raphaël Adjam. Arc Raphaël Adjam. So please, Excellency, you may proceed. Mr. Arc. Can you hear me, sir? Yes, yes. Could you speak a bit louder, please? But we can hear you, yes. Okay, good afternoon, my dear Prime Minister. Good afternoon, my Vice Prime Minister. And do you think perhaps to speak a little bit closer to the microphone, if possible? Can you hear me, sir? It's okay, but the sound is a bit low, perhaps. So if you can speak closer to the microphone. Can you hear me? Well, I think it's okay. I think we can manage. Can you hear me, sir? Yes, yes. Okay. Yes, yes, it's better. Yeah. Okay. I think it's the network. It's a rainy day in New York here, so I think it's a weather-related issue. My name is Dr. Raphael. I'm calling in from New York. Monsieur Arc appelle de New York, yes? Mm-hmm. Okay. Basically, for today, I'm very happy to be here because I'm going to be speaking about the Aviation School of SOAD. And our goal is to make sure that every member will be able to see the power of aviation to building our youth. Okay, je suis heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour parler d'aviation. J'espère que les jeunes vont apprécier et voir cette capacité que nous avons de construire ce que nous sommes en train de faire. Please, I would like to share my screen so that I just show the members what we have planned for SOAD. Je voudrais partager mon écran pour présenter ce que nous avons prévu pour l'état de la diaspora par rapport à l'école de l'aviation. OK, please, can you see my screen? Can you see my screen? Yes,
Yes. Okay. Here, so I present an aviation school, which will have emphasis on ticketing and reservation, emphasis on cabin crew training, emphasis on pilot training, and emphasis on aircraft maintenance. Can I repeat? Il y a au niveau de l'école d'aviation, il y a la première option, c'est il y a le pilote, il y a la formation pour les pilotes, il y a la formation pour la réservation et le ticketage, l'émission des tickets, des billets. Oui, c'est ça. Voilà. Okay. So, ladies and gentlemen, let's look at a world whereby SOAD builds their aviation school and is placed as one of the best in the world, whereby young ladies who have the ambition to fly are trained on how to do proper ticketing and reservation. We have young ladies who also want to be air hostesses as well as men. And then also the younger minds who say, yes, we are ready to become pilots. And we, as members of SOAD, are able to produce young pilots for the future. Many years to come, the world will thank SOAD for being able to bring in like minds like us to build SOAD University in the area of aviation. Okay. Nous ambitionnons de former des jeunes gens et des jeunes filles au métier de pilote, à la formation dans l'émission et la réservation des tickets. Et nous sommes aussi très engagés et très décidés à faire de l'état de la SOAD, de l'état de SOAD, une structure qui serait fière et à qui l'on va rendre hommage pour avoir eu ce courage et cette ambition de mettre à la disposition de l'Afrique des jeunes gens, des pilotes et des jeunes filles qui sont capables de s'occuper du service de réservation, de tickets, etc. Finally, we have a private consortium whereby we can do an exchange program between the students that SOAD has produced as well as the real life scenario. That way we will bring a synergy, having people produced by SOAD and people in the real world coming together to form a consortium. Okay, nous avons aussi le projet de faire des échanges des étudiants que nous aurons formés avec d'autres étudiants afin de créer une certaine synergie et pour échanger les connaissances et les capacités avec d'autres structures. Thank you very much. More information about the aviation school will be shared to the members via the Prime Minister's office. Thank you. Voilà, merci. Toutes ces informations pourront être partagées, évidemment, sous la conduite et la supervision de ces personnes. Hello. Hello. Yes, Mr. Ark, can you hear me? Yes, sir, I can hear you, sir. You can continue. Okay, so I broke down the objectives of the school, but yes. Should I start talking about all the topics? I think I might take the whole day. Well, you can still have, let's say, 2 minutes. I give you 2 more minutes because I think everybody loves planes, so we need to hear more from you. Let's say 2 or 3 minutes. Thank you. Well, that's perfect. Voilà. Since I have 2 minutes, it's better. I'll start from the beginning. For the ticketing and reservation, the basics will be taught on how
somebody walks up to the counter and picks his particular date and time of his flight, and then our ticketing crew generates the ticket for the passenger. S'agissant du service de réservation et d'étiquetage, nous allons former des jeunes gens qui auront la capacité de s'occuper de tout ce qui a trait à l'émission des tickets et aux réservations. Okay. And then if we leave the area of ticketing and reservation, we talk about the cabin crew, whereby the male and the female, they are taught ways to approach passengers on board, talk about safety, make the passengers feel safe and comfortable on board. That's for the area of the cabin crew training. Bon, pour l'aspect de la gestion des cabines, nous allons former du personnel à s'occuper des voyageurs, comment les mettre en confiance, comment se comporter avec eux pour qu'ils soient à l'aise. Voilà. Okay, for the pilot training, we have the private pilot licensing as well as the commercial pilot licensing. Pour la formation des pilotes, nous avons les pilotes pour les lignes commerciales et les pilotes pour les lignes des pilotes. Et nous avons des licences pour cela. For the private pilot training, basically most students are going to be trained for jet fighters and every form of light aircraft training. Pour les pilotes privés, nous allons les former sur la navigation, sur le pilotage de différents types d'avions. Then for the commercial pilots, we are going to train the students to be able to fly larger passenger aircraft. Pour les pilotes, pour les lignes commerciales, nous allons les former au pilotage des gros avions, comment piloter ce genre de gros cargos. For the aircraft maintenance, as you all know, there is no aircraft maintenance center towards West Africa. Most of the aircraft maintenance centers are in Europe and the United States. So our goal is to be able to have one in Africa whereby so our students could actually be mentored on how to repair aircraft and maintain. Pour le service de maintenance, nous n'avons pas en Afrique de service de maintenance pour les avions. La plupart de ces services sont soit en Europe, soit aux États-Unis. Donc, nous envisageons de créer un service de maintenance des avions ici en Afrique. Please, if you look at my screen, you will see an image of some men by the aircraft doing some checks of the aircraft. This is one of our goals, to be able to say that SOAD has mentor young minds to be able to work on aircraft. Si vous voyez sur mon écran, l'écran que je partage, vous voyez des jeunes gens, des gens qui sont en train de faire la maintenance d'un avion. Et ça, c'est notre objectif, c'est notre ambition de former des jeunes gens, des jeunes Africains qui seront capables de faire ce métier-là ici en Afrique. Above all, SOAD Aviation School is building partnerships whereby students trained by SOAD could actually have exchange programs between other flight schools, like that of Ethiopian Airways and other flight schools home and abroad. That way, we'll be able to build more experience and exposure to the aviation industry. Nous ambitionnons aussi d'établir des partenariats, des champs d'expérience avec le personnel formé par les autres compagnies aériennes telles que Ethiopian Airlines, SM Bruxelles, etc., pour échange d'expérience et échange de compétences. Voilà. Also for our women, we are not going to forget you people. There is also a package prepared for women pilots, because if you look around the world, we can count the number of women pilots. But for SOAD Aviation School, we are also going to promote more women into the flight industry. Thank you. Pour les jeunes dames aussi, nous avons des choses intéressantes pour elles. Nous avons un programme de formation de jeunes dames et de jeunes filles au métier de pilote.
et ce sera vraiment une fierté pour l'État de Swat de former autant de jeunes dames que de jeunes gens. Je vous remercie. Well, I think we love everything you said, including your conclusion, Excellency. So we are very proud of all the people in this university. And now I would like to give the floor to the Faculty of Medicine and the leader, Mrs. Aimée Tanque de Villene. Nous allons maintenant donner la parole au responsable de la faculté de médecine, Monsieur Aimée. Yeah. Madame Aimée de Villene. So, Aimée, est-ce que vous m'entendez? Oui, allô, oui. Voilà, mais, la parole est à vous. Bonjour à tous, docteur Aimée Tanque de Villene, ministre de la Santé et en charge de l'enseignement médical et pharmaceutique. Voilà, Attendez, il faut que monsieur Amissalé fasse la traduction. Ah, ok. Okay, I am Dr. Milan, in charge of the Faculty of Medicine, and okay. Voilà, en charge de l'enseignement médical et pharmacie. Okay, in charge of medical training, yes. En fait, l'enseignement médical que nous voulons mettre en place terme sur la santé devrait tenir compte de tous les paramètres qui concourent aussi bien à la sauvegarde et au rétablissement de la santé, à la gestion des ressources humaines. On peut traduire? Allô? Vous m'entendez? Oui, est-ce que vous pouvez reprendre là, s'il vous plaît? Je disais l'enseignement moderne que nous avons, oui? la charge sur la santé devait tenir compte de tous les paramètres qui concourent aussi bien à la sauvegarde et au rétablissement de la santé, ainsi qu'à la gestion des ressources humaines. OK. She said that the training, the medical training, teaching that they have to deliver has to take in consideration all the parameters, meaning all the input in the training, but all the input that can give the opportunity to those medical doctor to improve the health of the people. C'est pourquoi il est important pour nous d'adopter une approche holistique qui prend en compte toutes les dimensions du bien-être de la personne. That's the reason why they have to take in consideration all the aspects which can include all the well-being of the people. À cela viennent s'ajouter les enjeux démographiques, l'essor de la technologie et les contextes culturels propres à l'Africain. To that, it can be added all the aspects psychologic which is proper to Africans. Qui tous doivent être pris en compte pour espérer obtenir un meilleur résultat. And all those things put together can lead us to bring a better result. Notre université comprendra la faculté de médecine, la faculté de pharmacie. Our university will comprise the faculty of medicine and pharmacy. Et les sciences médicales aussi. Médecine, and,
Oui, allez-y, médecine. Pharmacie et tout ce qui est sciences médicales en soins de santé. OK. Medicine, pharmacy, and all that is related to medical science. Elle va travailler en partenariat avec les autres facultés à travers le monde, l'Afrique, et pourquoi pas aussi le Congo, où on va commencer notre première université. Le Congo RDC. It will work in partnership with the other departments, including all the countries, the faculty in the world, starting by Republic Democratic of Congo. Nous avons pensé à valoriser les ressources naturelles des Africains en mettant en place un programme d'octroi de bourses pour essayer un petit peu de valoriser les compétences africaines. We are also planning to take in consideration all the competency, all the capacities of the African resources and give to those some of those students some scholarship to enrich their studies. Le processus est en cours avec la chancellerie qui va être mise en place et puis on aura à faire un petit peu un programme beaucoup plus détaillé dans le jour à venir. This process is ongoing with the consulate which will be established and then all together they will see how they can proceed. Nous avons pensé concernant les cours, nous avons pensé à mettre en place, à faire des cours à la fois en présentiel et puis des cours en ligne. About the training, we have planned to organize training online and training in-house training and online training. Il est à noter que la plupart de nos cours sont en ligne de façon à pouvoir gérer un petit peu les ressources humaines, notamment les professeurs, un grand nombre de professeurs qui est à l'étranger. We are planning also to manage the human resources, including those on the sport and those who are abroad. Il y aura aussi un pôle de recherche qui est très important à souligner, qui sera un pôle de recherche personnalisé dans la problématique propre à chaque pays et au continent africain. Allô? 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 Yes. Je disais, en dehors de l'enseignement, on a aussi la charge de faire la recherche scientifique en médecine. Allô? Et en Allô? Allô? Excusez-moi, oui. Est-ce que vous pouvez il y a eu une perturbation ici. Ça va? Allô? Oui, oui, excusez-moi, est-ce que vous pouvez reprendre là? Oui, je disais, en dehors de l'enseignement, on a aussi la recherche. La recherche en médecine et en pharmacie. Sera une recherche, okay. Une recherche, le pôle de recherche sera personnalisé suivant la problématique de santé de chaque pays et de l'Afrique en général. We have about the research, we have two aspects in the research. We have the personal research. Internal research with pharmacy, medicine, and
tailor-made research also. À propos de la recherche, on est en train de penser, et c'est un projet de mettre en place avec nos partenaires une grande industrie pharmaceutique. With our partners, we are trying to build a huge pharmacy office in partnership. Pharmaceutical industry. Pharmaceutical industry, yes. Pharmaceutical what? Industry with our partners. Un grand plateau technique où on pourra fabriquer les médicaments de première nécessité déjà pour commencer. We will also start with the first aid medicine to start with. De façon à pouvoir minorer le coût de soins pour pouvoir donner une offre de soins de qualité à toute la population cible. So that we can give a good cost price for the medicine for the inhabitant to enjoy the cheaper price of the medicine to improve their health. Alors, concernant l'enseignement, l'objectif recherché, c'est d'arriver à mettre en place une formation de qualité, rénovée et la mieux adaptée possible. The objective that we are pursuing is to bring efficient medicine program to help the inhabitants. Une formation qui va répondre aux exigences démographiques et à l'évolution de la science de la science, pour dire ça comme ça, et de la science et de la technologie moderne. That will enable us to take in charge a huge number of people who are in need and with a good price offered to them. C'est vrai que nous voulons nous mettre au même diapason de la modernité et de l'excellence. On veut vraiment faire quelque chose d'excellence, un pôle d'excellence. OK, the objective is to bring quality medicine with good results to the inhabitants. En gros, l'enseignement supérieur de sciences médicales et de médecine et pharmacie devait englober quelques points suivants. The higher study in medicine will embrace the following points. Un cursus universitaire classique en médecine, pharmacie et en sciences médicales, kiné, sage-femme, nutrition, radio, voilà. Curriculum for medical personnel. For nurse, for kiné, and so on, even those in charge of X-ray. Le deuxième point, ce sera la formation du personnel et cadre de professions de santé et infirmiers paramédicaux. The second point is the training of the human resource, those in charge of the medical aspect and those who have a job related to medicine, paramedical personnel. L'enseignement universitaire de la médecine spécialisée moderne, notamment la médecine préventive et environnementale, la médecine nucléaire, la médecine via la télémédecine, la robotique médicale
pour citer que ça. The high technology of medicine, meaning the telemedicine, meaning the medical robots, the robot medicine, the highest point of medicine techniques will be used to try to help and improve the health of the African people. Et on peut peut-être juste faire une petite conclusion. Et après, bien sûr, on pourra poser des questions parce qu'en pleine crise de santé, je crois que tout le monde a besoin d'entendre beaucoup de choses et beaucoup de questions à poser. Aux questions, Madame la Juste Lévi. Pour finir, là, je vais conclure. On n'oublie pas la médecine alternative avec tout ce qui englobe la médecine traditionnelle, la phytothérapie, la naturothérapie. Importante qu'on va développer ensemble avec notre unité, notre faculté de pharmacie. Voilà, pour conclure, il y a beaucoup de choses qu'on pense mettre en place. Yes. She's talking about alternative medicine, which includes traditional medicine, herbal medicine, all those traditional way of treating ourselves. They shall be included in all these faculties of medicine. Well, thank you very much. To the Minister of Health of SOAD and also the leader of the Faculty of Medicine. I think that's brilliant as well. Now, oui, pardon, je vous laisse traduire, monsieur. Donc, je voulais saluer et remercier effectivement Madame la Ministre et qui est aussi la présidente de la faculté de médecine, qui s'inscrit de médecine, où on, enfin, il n'y a pas que de la médecine, il y a évidemment, c'est beaucoup plus large, comme elle a expliqué, et il y a tout l'hôpital, évidemment, tout l'hôpital qui va avec. Là, on a parlé de l'université parce que c'est le sujet, mais voilà. Mais effectivement, c'est tout l'hôpital. So, thank you again for everything. And now, I would like to give the floor to Dr. Samuel Maté, who is our advisor, and who is also in charge of a business school of the state, of our university, and so on. Oui, monsieur Amichel. Je voudrais maintenant donner la parole à l'honorable Maté, qui est responsable de notre école de business. Monsieur Maté, je vous donne la parole. Vous pouvez remettre le micro. Ah, Monsieur Maté. Attendez, je l'appelle. Monsieur Maté. Monsieur Maté, on vous écoute. Yes, Monsieur Maté. Monsieur Maté. Mr. Maté. Alors, attendez, je vais l'appeler. Very strange because Mr. Maté is there, but he cannot hear me. Mr. Maté, I'm calling him at the same time. Il est là, mais il ne nous entend pas. Hello, can you hear me? Ah, okay, yes, now it's okay. Oui, Mr. Maté, on vous écoute. Hello, excellency, can you hear me? Yes. Oh.
Mr. Matte, you can start. Mr. Matte. Well, I'm sorry, ladies and gentlemen, there is obviously a technical problem because he's in the room, but he cannot hear or speak. Je suis désolé, il est dans la chambre, mais il ne peut ni parler ni nous entendre, on dirait, donc c'est un problème technique. Okay, well, let us wait for him to come, and in the meanwhile, I would like to... sorry, Mr. Matte is calling me, sorry. So I had Mr. Matte on the phone. He said that there is a technical problem, as we could already suspect. So he's trying to come back. And in the meanwhile, donc Monsieur Matte a un problème technique. Hein, il me l'a dit au téléphone. Effectivement, il essaie de revenir. Donc vraiment aujourd'hui, on n'a pas de chance avec le réseau. So in the meanwhile, I think we could open the door or the floor for the questions for the public. It can be questions on both topics, the Pan-African Olympic Games. It can be questions also on the university. So now we open the floor to all of you. Donc nous allons ouvrir le débat s'il y a des questions sur les deux sujets, que ce soit l'université ou qu'il s'agisse de des Jeux Olympiques panafricains. La parole est ouverte. Tout le monde est très timide. Everybody's shy. Mr. Majumbere is smiling. Monsieur Majumbere, vous souriez. Donc, ça veut dire que vous avez quelque chose à dire. On veut sourire avec vous. Ah, il faut couper le micro, monsieur Majumbere. Oui, je m'excuse. Hein. Bon après-midi à tout le monde. Bon après-midi. Et félicitations pour la journée d'hier et aussi pour la deuxième journée. Merci. Je laisse monsieur Amissalé traduire. Attendez, je laisse monsieur Amissalé traduire. Il faut laisser monsieur Amissalé traduire. Monsieur Amissalé ? Ah, monsieur Amissalé ? Alors, je crois qu'il est déconnecté. Hello. Ah, hello. Monsieur Samuel Matte, oui. Ah, monsieur Béry, est-ce que vous me pardonnez si je redonne la parole à monsieur Matte qui est de retour? Et après, on prend votre question, d'accord? D'accord, merci de votre compréhension. So, I'm sorry to interrupt Mr. Majumbere, but Mr. Hello. Matte is back. Let me try to give him the floor. Monsieur Matte, oui, on vous écoute. Pour nous... Il était important dans le cadre du projet lancé par le Premier ministre et la... Ah, là, on n'entend plus. Ah, monsieur Matte? Ah, monsieur Matte? Ah.
Mr. Matthew? Oh, we cannot hear him anymore. Monsieur Matthew, votre micro est désactivé. He sent you a message again about the network. We should ask all these companies working network to reimburse us. Bon, ben, monsieur Majembéré, je vous redonne la parole. Excusez-moi, on est obligé, on est exposé à ces difficultés. Donc, je vous redonne la parole, monsieur Majembéré. Merci, merci beaucoup. C'est vrai que la connexion n'est pas bonne presque partout, mais ma question, je n'ai pas, j'ai pas bien suivi dès le début, faute de connexion. Allô, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Oui, monsieur Mathieu, on vous entend. Désolé encore, monsieur Majembéré. Hello, Jeremy. Yes, we can. Hello, can you hear me? Yes. Yeah, so the network is not so good, so I'm going to make it quick. At the business school level, what we are trying to do is kind of like implement a number, identify a number of classes or a number of modules, and we're going to offer those basic classes or topics or modules for free over a period maybe of 12 months. After that weekend, we will be working during the same period, we'll be working on the structure. Allô? Bon, alors, je traduis en attendant. Donc, il dit que pour commencer, nous allons proposer un cours de 12 mois qui sera gratuit, qui sera élémentaire, mais qui sera gratuit. Et ensuite, nous travaillerons sur la structure. Et après, ça a coupé. Hello. What kind of partnership we can have with the different organizations or schools or universities? So what I can say is that our intervention is going to be on 3 points. The first point is to launch treaties via offering a number, maybe 5 to 10 courses for free. Donc, nous allons avoir un enseignement en 10 points, parce que je n'ai pas bien entendu à cause du son, mais qui sera donc gratuit. I was caught. So what I was saying was like the 3 points. The first point is offering classes for free on 5 to 10 classes. And then number two, what we're going to do is preparing for the post period of the 12 months, because during the 12 months, we will be offering classes for free. After the 12 months, we start offering a whole curriculum. Donc après 12 mois, donc on commence avec pendant un an 5 à 10 cours qui sont gratuits, et après les 12 mois, on offre un curriculum. OK. And then number two for us is gonna, how do we build a complete curriculum that people can pay for it? And that's why we're gonna launch a call for people to register, or at least for people to become faculty. So we'll be looking for people who will be giving classes as faculty. So we're gonna have like a worldwide launch of people who can coming in the business school as faculty. Our last point, number three, is gonna be on how do we sign partnership with other institutions, school, universities, and at the same time,
how do we move into research and publications? Because any university that is not publishing or is not into research will not have any consideration on the worldwide, you know, market of universities and scholar institutions. That's why the number three will get into signing partnerships with other institutions and moving into research and publication. Thank you. Thank you very much, Mr. Matti. In spite of your challenges with the network, we've been able to identify the profoundness and your initiative. So thank you very much. Excellency, I want to share something quick, if you allow me. Yes. Alors, ne vous inquiétez pas, les francophones, je traduirai à la fin. Ne vous inquiétez pas. Okay. Yes, please. What we want to do as well is that, as you know, there are two basic classes that we want to launch. The basic classes we want to launch is, as you know, starting your business with zero capital. We know that one of the problems in Africa is access to capital and funding. So we have developed that concept of how you can start your own business without being given a capital and without external capital. So that's going to be one of our basic curriculum. And then we've been discussing, and we have other projects on that with His Excellency and the State of the Diaspora. Number two is we have started another program that we call Africa 5.0. Africa 5.0 is a program that envisions or ambitions to change or transform the mentality of African. Because one of the problems right now in Africa is the people's mentality. So that program is a 3 days program where on the first day, we're gonna look at values. What are some of the values that Africans have had in the past? Values like respect of elders, values like honesty, values like working hard, values like compassion, and so on and so forth. So on the first day, what we do is that we'll be teaching people's values. We need values. An African without values will not move forward. And number two, we'll be teaching on the third day on health, you know, preventive health. Because most of the time right now in Africa, our healthcare system are at the bottom of any ranking. So without health, there's no development. So that's why number two, we'll be teaching on health, how you can take care of your health and stay healthy through preventive action. And then the final day will be focused on how you can manage your revenue and generate complementary revenues. Because as we know, in Africa, most of the time, we don't have any social protection system. And then as well as if one employee that is working in Africa have at least 20 people that he has to be taken care of because of our expanded family values. So people are suffering in Africa as well, though some of the people are employed and are working, but they have to take care of not only their own family, but their extended family, which brings a lot of Africans on the brink of financial bankruptcy. So number three, the last day will be a training on how you better manage your funding and how you can have like a complementary revenue. So that's the program Africa 5.0 that we have started experiencing, and then we'll be experimenting through the business school as well. Thank you. Thank you very much, Dr. Samuel Matte, leader of the business school. Donc je vais traduire. Donc, M. Matti, qui va diriger l'école de commerce, pose la question suivante. Comment construire un cursus pour l'université? Et donc, il dit qu'ils vont lancer un appel pour que les gens puissent s'enregistrer et participer à l'université, notamment comme enseignants.
Donc, il faut cet appel international pour enseigner, pour recruter des professeurs. Ensuite, il s'agira de signer des partenariats avec d'autres écoles et d'autres universités, d'autres facultés de commerce, d'autres écoles de commerce. Il faudra ensuite également organiser l'activité de recherche, car de nos jours, une université qui ne fait pas de recherche n'a aucune crédibilité sur la scène internationale, la scène académique. Donc, il faudra signer des partenariats, notamment dans le domaine de la recherche. Alors, il faut aussi savoir qu'il va proposer deux cours basiques. Comment, notamment, le premier, c'est comment faire, comment commencer une activité commerciale avec 0 euro ou 0 francs CFA. Parce que souvent, le problème pour nos jeunes en Afrique, c'est les fonds, les capitaux. Les gens ont des idées, du talent, mais ils n'ont pas d'argent. Donc, la méthode qui est enseignée par M. Maté permet véritablement de commencer une activité commerciale sans apport extérieur. Voilà. Donc, c'est quelque chose que nous faisons avec l'État de la diaspora et le Premier ministre. Et puis, il y a un deuxième programme commercial que nous avons commencé, qui s'appelle Africa 5.0, qui ambitionne de transformer les mentalités, parce que c'est vraiment essentiel. Les mentalités, c'est souvent là que nous avons un point faible. Donc, c'est un programme en 3 jours. Tout d'abord, les valeurs. Nous rappelons aux gens les valeurs que nous avons, dans le passé, célébrées. Donc, le respect des aînés, le travail dur, la compassion, l'honnêteté, etc. Donc, nous enseignons ces valeurs. Le deuxième jour, nous enseignons la médecine préventive. Évidemment, sans santé, il n'y a pas de développement. Donc, on apprend aux gens comment ne pas tomber malade, parce que quand on tombe malade, on n'a pas d'argent pour se soigner. Donc, c'est bien, bien sûr, de guérir, mais c'est encore mieux de ne pas tomber malade du tout. Et donc, c'est sur la santé préventive qu'on insiste, comment prendre soin de sa santé pour la maintenir, avec des choses souvent très, très simples. Et puis, le troisième jour, là, on apprend vraiment des choses un peu plus économiques, comment gérer son budget, avoir des petites activités génératrices de revenus, car quand on n'a pas de système économique très développé, on peut quand même se débrouiller et faire des choses très importantes. Très importantes. Beaucoup d'Africains sont pratiquement ruinés et en réalité, avec une meilleure gestion de leur capital, ils pourraient se débrouiller assez bien finalement. Donc, mais ça s'apprend. Donc, le troisième jour est consacré à la gestion du capital domestique. Et donc, voilà les 3 jours. Premier jour, la question des valeurs. Deuxième jour, la question de la santé, notamment la santé préventive. Et le troisième jour, la gestion du capital domestique. Donc, voilà un petit peu le programme Afrique 5.0. Et donc, c'est aussi quelque chose qui fera partie de l'école de commerce de l'État de la diaspora africaine et de notre SOAD University. Voilà un petit peu ce que nous disait M. Samuel Maté. Et je crois que tout le monde comprend à quel point c'est essentiel. Et évidemment, cela faisait écho à ce que disait Mme la ministre de la Santé, puisqu'elle parlait aussi de médecine et de médecine préventive. Donc, tout se tient. Il y a une vraie cohérence, bien sûr, qui se dessine au fur et à mesure. Donc, voilà. Donc, excusez-moi, j'ai fini ma traduction. Merci encore, M. Maté. Vraiment, tout cela est tout à fait brillant. Je rappelle que M. Maté enseigne le commerce en France dans les plus grandes écoles de commerce de ce pays, mais il a décidé de mettre son expertise au service de l'Afrique et de la diaspora, et nous l'en remercions parce qu'il aurait pu choisir une carrière plus profitable de manière un peu individuelle, mais il a estimé que le plus grand profit pour lui, c'était de mettre son expertise au service des autres. So we would like to thank Mr. Maté. I need to remind everybody that Mr. Maté has taught in the finest business schools in France, and he might have decided to become a very wealthy business person. Instead of that, he has decided to make his skills available for the Pan-African community, the youngsters in Africa and the diaspora. So instead of working to become a billionaire, he decided to share his knowledge and expertise to the vast majority of talented people, but people who are without money. Donc, merci, Monsieur Samuel Maté. Nous apprécions vraiment. Les gens comme vous ne sont pas nombreux. Pardon, vous disiez? Thank you.
You're welcome. Thank you. No, c'est nous qui vous remercions et toutes les personnes qui enseignent dans cette université qui ont un idéal humaniste qui nous fait honneur. I have to say that all the leaders of these faculties have a great sense of humanism, of Pan-African humanism, and it's a privilege for us. But now I want to come back to Mr. Majombere. Monsieur Majombere, on revient vers vous. Vous aviez des choses à dire. Oui, effectivement, j'avais une question. J'avais commencé à vous dire que je n'ai pas eu le temps de vous suivre dès le début. Bon, par suite d'une mauvaise connexion que j'ai eue. Mais ma première question concerne l'université. D'abord, je salue l'initiative de cette université. C'est une très grande chose. Et alors, ma première question, est-ce que cette université sera virtuelle ou est-ce que ces cours seront dispensés en ligne seulement? Sinon, dans quel pays sera basée cette université? Et quelles sont, la dernière question peut-être, quelles sont les conditions d'admission dans cette université? Oui, alors non, nous n'avions pas répondu à cette question, donc j'espérais bien que vous alliez la poser. Merci. So, Mr. Majombere is asking, will it be online university only, or will it be physical as well? And if so, in which country or which countries will it be located? Donc, je vais d'abord répondre en français. En fait, je dirais, ça sera les deux. Il y a des facultés qui sont virtuelles au début et qui deviendront progressivement physiques. Je pense, par exemple, à la Cyber Future Faculty Academy, donc l'Académie du Cyberfutur. Très clairement, ça sera très virtuel, très numérique. Je préfère dire numérique parce que ce n'est pas virtuel, mais c'est numérique. Mais progressivement, ça va devenir aussi présentiel. Bon. À l'inverse, la faculté de médecine, par exemple, qui sera dans un hôpital. Donc, il y aura des murs, il y aura effectivement des choses tout à fait concrètes, en béton, etc. Mais, comme l'a dit la ministre, il y aura aussi un aspect de télémédecine et donc de téléenseignement. Donc, voyez, il y aura parfois des choses virtuelles qui vont devenir concrètes et puis des choses concrètes qui vont devenir numériques. Et puis, idéalement, l'idée, c'est d'avoir un peu les deux. Parce que le numérique, c'est bien, mais parfois on a besoin un peu d'une assise. Et avoir une assise physique, c'est bien, mais on a besoin de rayonner dans le monde entier, d'enseigner dans le monde entier. Par exemple, les cours pour les langues panafricaines, M. Obot n'a pas eu le temps de le dire parce qu'il y a eu des problèmes, mais il y a déjà, au Nigeria, il y a une fondation, il y a un immeuble, et les gens peuvent apprendre sur place les langues panafricaines. Mais tous ceux qui ne sont pas au Nigeria, comment ils vont faire? Donc, il faut aussi, bien sûr, qu'il y ait le développement numérique. Donc, autant que faire se peut, on va avoir les deux. Donc là, je vais répondre en anglais. So, just to answer Mr. Majombere's question, which is very important, it will be both digital and physical. In some instances, for example, the Cyber Future Academy, it will be primarily online, but gradually it will go physical as well. Reversely, the faculty of medicine will be in a hospital, so it will be physical, but gradually it will be accessible to other people in the world, so it will be with telemedicine and teaching. So we want to have both. So both are complementary, and really it will depend. For example, Mr. Obot, who is the leader of Faculty of Pan-African Languages, already has his building, his foundation in Nigeria, where he already teaches African languages. But of course, we need African languages to be known and learned all over the world. So it has to be virtual, of course, as well. And we will help them to develop the network. So both are very necessary and complementary. I have got a question from Ambassador Asher from Israel. Yes. He says, concerning the university and various faculties, can you tell us what will be undertaken concerning the official approval of diplomas? For example, will there be cooperation with several other universities, especially African universities? In French,
Concernant l'université et les différentes facultés, pouvez-vous nous dire ce qui sera entrepris concernant l'homologation officielle des diplômes? Y aura-t-il, par exemple, une coopération avec plusieurs autres universités, notamment des universités africaines? Oui, alors il y a deux questions, effectivement. L'accréditation, nous estimons qu'elle doit d'abord venir de nous. En France, c'est la France qui accrédite les universités françaises. Les États-Unis accréditent les universités américaines, etc. Donc, l'état de la diaspora va accréditer les facultés en fonction des résultats et du sérieux qu'elles auront mis en place progressivement. Bon. Et deuxièmement, sur les partenariats, oui, il y en a plusieurs qui sont en cours. Là, aujourd'hui, on attendait deux vice-chanceliers d'université de Sierra Leone. Il y a aussi des partenariats en cours avec des universités de Namibie, mais aussi de Mozambique, et aussi avec Howard University, je crois que la ministre en a parlé tout à l'heure, mais aussi avec l'Association des universités d'Afrique, qui est une association qui regroupe plus de 1000 universités, je pense, plus de 500 en tout cas, dans toute l'Afrique. Et donc les partenariats sont en cours de discussion avec toutes ces institutions. D'ici la rentrée de septembre, nous pourrons déjà en annoncer quelques-uns. Voilà. Donc, en effet, ce sont des choses très importantes. Donc, je remercie M. Itzhak de sa question. Je traduis maintenant. Yes, so Mr. Itzhak asked two different questions. The first one is about accreditation. In France, for example, it's the country, the state, that gives accreditation to faculties or universities. That will be the same here. The state of the African diaspora will be in a position to give accreditation to universities or faculties in SOAD. And regarding the partnerships, many partnerships are being discussed at the moment. We have two partnerships being discussed at the moment with Mr. Swale, Mr. Swale's network. So two universities in Sierra Leone, apparently they have already said yes, so we just need to write this down, but on principle, they seem to agree to have a partnership. These two universities seem to agree to have a partnership with SOAD. I could say the same about a university of sciences in Namibia, another one Mozambique, and as Mrs. McFarland mentioned, we are also working already with Howard University, which is certainly the most prestigious Black university in the United States. You may know that Mrs. Kamala Harris was a student of Howard University. And also we are now in discussion with the African Association of University. They are working to elect their new leadership. So that's why we are not able to finalize anything for the moment. We are waiting for them to have the new leadership, but we are discussing with them. And that organization includes almost all the universities in Africa. There are more than 500, and they seem to be ready to work with us as well. So hopefully, concrete partnerships will be announced in September when we actually launch the university. We're making an announcement now to sensitize people, to encourage students to come and register, but the actual launching will be, of course, in September. Donc là, ce sont des informations que nous donnons un peu en amont pour inviter les étudiants, les réseaux à s'inscrire, les gens qui voudraient s'inscrire à l'université, mais c'est évidemment en septembre que nous allons annoncer tout cela. So Mr. Obot, I think, raised his hand. I hope the network is better now. Monsieur Obot a levé la main, donc je vais voir si on entend mieux maintenant, je l'espère de tout cœur. Mr. Obot, please. Yeah, hello, can you hear me now? Yes, I think so. Yeah, can you hear me now? Yes. But now you are on mute. Okay. Can you hear me now? Yes. Okay. It's my pleasure to be with you at this meeting. I am William Obot from Nigeria. And I'm the moderator of AfroScience Foundation. AfroScience Foundation is a Pan-African research institute that is concerned with the teaching of science in the indigenous languages of Africa to enhance a higher level of comprehension and thereby empower Africans to do better technologically.
So our Afro Science Foundation is already in the business of African languages. And it is our pleasure to partner with the State of Africa and the Aspire University Faculty of Languages. And our team is working tirelessly to set out very adequate modalities that can be able to handle the learning of languages, Pan-African languages across the globe, so that people, especially Africans in the diaspora, or even Africans within Africa, can learn other African languages from the comfort of wherever they are. So this is the vision of Faculty of Languages, Faculty of Pan-African Languages instead of African Diaspora. And we have developed, we are languages. Basically, we want to handle the major languages, African languages in different countries. And it is going to be handled in such a way that from wherever someone can and engage the process, and in the end of it is able to understand along the publicity of the program. We are informed that the university will open fully from September. And between now and September, everything is going to be well put in place. And the next thing we are trying to get acquainted with is schedule timetable. Because it is possible that some people yes in different other faculty wants timetable in such a way that do I pause for your interpretation or can I go on? No, you can go on. I'm taking some notes and I will be able to translate at the end. So we want to donc je vais traduire à la fin pour les francophones, bien sûr que je traduis à la fin, comme je fais toujours. So we are planning our timetable and we want to know the overall timetable of the university before we make it public, so that we can make available the option in order to want to take courses in languages. To fit to the time and schedule and design is made so that we will have the basic classes and we will have the executive classes. Executive class. And not to pick general classes, to have private special classes that will be organized on their own time schedule. Not in the faculty schedule, but we design special schedules for people who have executive cadre, who have personal reasons, who cannot participate in the basic classes. And then we also have in the scheme of our work, it's gonna be two different kind of sessions. We have the live session, and then we also have the private session that is a recorded session. So within a week, we have three times live session, which the students will participate in a class online, live class with the teacher in the different respective languages. And then other 2 days in the week will be the recorded class that the students will on their own be learning. And then we are also working towards developing a technological system, kind of robotic application that will develop a learning companion so that for each of the languages and all the students will have a software
that on their own, while they are learning, they will use this software to be communicating in the language that they are learning. And this will help them to understand these languages faster and quite easier. So these are the summary of the strategy that the Faculty of Pan-African Languages is setting out to use in implementing the studies of Pan-African languages. We know how important language, because that is our identity. And we want to put in all our efforts to make sure that Africans anywhere in the world who want to study their mother tongue or other Pan-African languages of their interest can do that comfortably and without no stress. So this is what the Faculty of Pan-African Languages, which is handled by the Language Department of AfroScience Foundation, is all about setting out to do. And we believe that with the cooperation of the university authorities, we are going to achieve this and even more as we progress. Once again, we want to thank the university authorities for the confidence they have in AfroScience Foundation. And we believe that God with us, we are not going to do less than your expectation. Thank you very much. Thank you very much. I think it's very important. You know, I'm used to be a teacher of French literature. So the importance of language in general is something very, very important. Thank you so much. Let me translate. Donc, Monsieur Obote disait qu'il vient du Nigeria et qu'il a dirigé pendant pas mal d'années la fondation de AfroScience qui vise à enseigner les sciences dans les langues indigènes. Parce que, en fait, si l'on veut que les jeunes comprennent vraiment les sciences, il faut qu'ils puissent les apprendre directement dans leur langue native. S'il faut qu'ils apprennent les sciences dans une langue étrangère, ça complexifie encore le processus cognitif. Donc, il enseigne déjà les langues africaines dans sa fondation AfroScience, et c'est pour lui un plaisir que de créer maintenant, sur cette base, la faculté des langues panafricaines dans le cadre de l'Université de l'État de la Diaspora africaine. Et donc, il a une équipe qui travaille très dur pour enseigner les langues africaines à travers le monde, afin que les gens puissent y être sensibilisés. Donc, voilà la vision de notre faculté, dit-il, faculté des langues panafricaines dans le cadre de l'État de la diaspora africaine. Nous avons développé un certain nombre de capacités. Nous voulons nous y impliquer pour que nous puissions avoir une meilleure compréhension entre nous en Afrique. L'université ouvrira, on l'a dit, en septembre, et d'ici là, nous ferons en sorte que tout soit en place. Il est possible que nous puissions, nous souhaiterions avoir, pardon, le calendrier de l'ouverture avant de rendre public les différentes options que nous allons créer. Notre calendrier, en tout cas, et notre objectif, c'est de faire en sorte que les gens puissent acquérir les connaissances basiques dans ces langues panafricaines. Donc, il y aura des cours privés qui pourront s'adapter en fait au calendrier, aux disponibilités des gens qui ne peuvent pas participer dans la journée aux cours classiques. Si les gens travaillent dans la journée, c'est le soir peut-être seulement qu'ils sont disponibles, on peut avoir justement des classes individualisées en s'adaptant à leur situation. Nous aurons aussi nous aurons d'une part des cours en ligne, en live comme on dit, et puis aussi des sessions enregistrées. Donc il y aura les deux, ce qui permet une certaine fluidité. Nous allons aussi développer un compagnon d'études. C'est un logiciel, un outil technologique que les gens pourront utiliser pour communiquer dans leurs langues africaines. Donc, c'est une des initiatives que nous prenons de créer ce compagnon d'études, cet outil technologique. Voilà en résumé notre vision. Nous savons tous à quel point les langues sont importantes, elles sont notre identité. Donc, où qu'ils soient, les Africains de la diaspora ou d'Afrique doivent avoir accès à ce savoir. Voilà un peu l'enjeu de la faculté des langues panafricaines. Nous croyons que nous sommes en mesure d'accomplir ce résultat et nous remercions l'État de la diaspora africaine. The Bluetooth device is ready.
et nous voulons remercier l'État de la diaspora africaine de la confiance placée en nous. Voilà. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Bien sûr. Nous avons l'ambassadeur David Soalé de Sierra Leone qui nous rappelle que la coopération se fera avec l'université Ernest Bai Koroma, université de sciences et technologies, et N'Djala Université. J'en profite pour dire que dimanche, ils feront une conférence à partir de 3h GMT. Ah, très bien. Alors, je donne la parole à M. Soalé pour qu'il le dise en anglais. So, Excellency Mr. Soalé, Marie-Ange has already said in French the great piece of news that you're bringing to us, but would you like to bring it to us also in English? Because you are the source and you are the one who actually negotiated this partnership. We are very privileged. Actually, our friends were not able to come to announce it themselves, but you are there and you can certainly confirm the piece of news. So could you unmute your mic, please, Excellency David Soalé, et notre ambassadeur en Sierra Leone. Mr. Soalé is our ambassador in Sierra Leone. Thank you very much, Your Excellency, Prime Minister, and the VPMs and the Marie-Ange for this opportunity. I've been working with the Prime Minister all along to get this partnership. Cooperation agreement with these two universities. Unfortunately, these guys were supposed to come online this afternoon to be with us, but the professor in one of the universities is down with illness, and the last minute, he's been hospitalized, so he could not make it. The other university guy, I think he's having some challenges with the internet connectivity. But on Sunday, hopefully on Sunday, they will be with us and they will be able to tell us in detail about what faculties or what their universities are doing in the areas of developing human capital in Sierra Leone. So hopefully by Sunday, they will be online to tell us. Thank you very much. Well, I would like to commend Mr. Soalé, His Excellency, who has done a wonderful job to organize this cooperation agreement with two universities in Sierra Leone. Donc vraiment, je tiens à saluer M. David Soalé, notre ambassadeur, qui a fait un travail remarquable pour sécuriser ces deux accords de coopération, ces partenariats avec ces deux universités qu'il a mentionnées. Donc l'Université des sciences et technologies de Ernest Bai Koroma et l'Université N'Djala. Oui, alors je peux passer la parole à quelqu'un d'autre. Monsieur Mukalenge, Mr. Mukalenge wanted to say something. Oui. Avec toutes mes excuses, j'interviens sur la dernière partie concernant les langues. Et comme il m'a été une fois donné d'être consultant au sein du CICIBA, c'est-à-dire le Centre international de civilisation bantou, et au sein de cette structure, je crois qu'il pourrait être recommandé à notre au responsable de la faculté des langues de prendre un peu contact aussi avec ce genre de centre. En son temps, je me souviens que monsieur. Alors, Compo, attendez, je vais laisser monsieur Amissali. Je crois que monsieur Amissali est de retour. Je vais lui proposer de reprendre sa mission. Pardon. Monsieur Amissali, est-ce que vous êtes toujours là? Oui, je vous vois, mais je ne vous entends pas encore. Voilà. Oui, votre excellence. Oui, ok, on peut y aller. D'accord. Monsieur, oui. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que M. Mukalenge a dit au début.
Non, 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 s'il peut reprendre. Non, si vous voulez, ce que je vais faire, c'est que je traduis le début et je vous laisse prendre la suite. OK, OK. Très bien, monsieur le Premier ministre. Mr. Mukalenge was suggesting that we should be in contact with the International Center about Bantu Cultures because they have many activities regarding the Bantu languages. So he was suggesting if perhaps Mr. Obot could be in contact with this institution. Je laisse continuer M. Mukalenge et M. Voilà. Amissalé prendra la relève pour la traduction. Voilà, ça nous permet déjà d'évaluer la démographie, démographiquement les locuteurs. Ça nous permet d'évaluer le nombre de locuteurs dans chaque langue. Ouais. Toujours là? Non. Ah, il est de retour, notre... Oui, je suis là. Sorry. Donc, c'est juste pour évaluer déjà les espaces linguistiques qui existent en Afrique. Celui-là, je le connaissais très bien parce que j'avais vu naître ce centre international de civilisation bantou et j'avais quelques missions aussi à faire dans le cadre de ce centre. Je me souviens du temps de Bongo parce que c'est lui qui avait mis ça en place. Il voulait se faire introniser roi des Teke, sur les populations qui parlent la langue Teke. Il y en a de Libreville à Kinshasa. Attends, il faut que M. Amissalé puisse traduire, M. Mukalenge. Il faut attendre. Voilà. Okay, Mr. Mukalenge was saying that former President Bongo wanted to be enthroned as the king in one region, so he has to use some regional language as a support. Et à cet effet, il avait mis en place le Centre international des civilisations bantoues. Okay, he has established a center, international center of Bantu civilization. Et je pense que ce centre avait évalué en son temps plus de 500 millions de locuteurs des langues bantoues qui étaient en tout cas enregistrés au sein de ce centre. And this center has registered around 500 1,000 people who are supposed to be introduced and engaged in this center. Dont le Lingala, par exemple, le Lingala qui est très parlé au Congo, Kinshasa, Brazzaville, un peu au Cameroun, chez les à Douala, un peu aussi à Libreville, et aussi en Angola, et un peu aussi au Rwanda et dans les pays environnants. As the language like Lingala, who is speaking in almost all this big and vast region around Congo, Zaïre, and so on. Je recommande seulement, ce n'est pas une question, c'est une recommandation de chercher à déceler dans le cadre panafricain les structures qui parlent un peu des langues comme, j'allais dire, plateforme des civilisations. Oui. So, it's not asking a question, it's making a suggestion. Let's check around this area all those cultures who can be listed as a basic language can serve. Et pour cette raison, les linguistes disent chaque langue est une vision du monde. That's the reason why the linguists were saying each language is a world vision. Pour ne pas monopoliser la parole, je voudrais passer à la deuxième question sur la médecine. Since I don't want to speak the floor, I want to move to the second step. Je pense que la responsable de l'université en charge de la médecine a vraiment étalé son projet. Monsieur Mukalenge, je ne vous entends pas. Oui, donc je disais que je ne vous entends toujours pas. On ne vous entend pas, M. Mukalenge, effectivement. Moi, je vous entends. Allô?
m'entendez? Très faiblement. À peine. Ah, il faut que je porte La voix. Voilà, là, c'est bien. Ne bougez pas. Je me suis rapproché de l'ordinateur, c'est pour ça. Donc, en termes de médecine, je crois que les volets présentés sont satisfaisants. Et j'aurais souhaité vraiment faire une petite recommandation seulement, si cela peut rencontrer les attentes de la responsable de cette faculté, c'est de mettre l'accent sur la santé publique. As for the medicine department, I think everything is all right, but I just have a suggestion to make. They have to put an emphasis on public health. Parce qu'il y a ces maladies qu'on constate en milieu africain qui sont dues, bon, autrefois, on s'en rend compte aujourd'hui avec COVID, souvent c'est les maladies des mains sales. Because there are some diseases in Africa, we can notice it now through this pandemic of the coronavirus, that those diseases are due to the dirty hands. Je m'étais un peu un jour intéressé à savoir ce que mangent les Africains, ce que contient l'assiette d'un Africain. J'étais un peu étonné de constater que les nombres de calories dans nos assiettes ne suffisent pas pour avoir des enfants qui auront une qualité cognitive nécessaire pour faire le relais de l'avenir. Je disais qu'en matière de santé publique, il y a cette dimension-là qu'il faut aussi mettre en évidence, tout ce qui est nutriments. Mr. Mukalenge was saying that as public health is concerned, we have also to put a special emphasis on the nutriment in what we are eating. As food. Et essayer de combattre l'automédication. And we have also to fight against automedication. Et nous constatons que le niveau, l'espérance de vie ne progresse pas beaucoup. Il n'y a que 10 pays en Afrique qui ont une espérance de vie qui avoisine les 74 ans. And we have also to notice that lifetime in Africa is very short. There are very few countries which lifetime is 74 years old. L'Afrique subsaharienne est une surmortalité maternelle. Il faudra qu'on évite aussi que nos mamans meurent pendant l'accouchement. In sub-Saharan Africa, we notice that there is a high peak of death of women during the giving of child, giving birth. Je regarde les statistiques actuelles. C'est une personne, peut-être qu'il faudrait. Oui, c'est plus bon. Je voudrais conclure avec toutes mes excuses. En concluant, je voudrais juste faire un clin d'œil au Business School et que notre Business School aussi, c'est une recommandation que nous sachons que lorsque nous, sur le continent africain, nous faisons les affaires, nous faisons toujours du mimétisme. On imite ce que fait l'autre. C'est pour ça que nous avons une crise de ce qu'on appelle les produits d'avantage comparatif, qui sont les produits de la concurrence. Oui. Also, for our business school, he has a suggestion to make. He said that we are aping over countries. We don't have our personal ideas. We are aping and copying. And so that's one of the reasons that we cannot achieve what we are trying to do. Merci. Thank you so much. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Do we have other people who would like to say something?
So it may be about the Pan-African Games or about the university. Okay, so perhaps the Minister of Health would like to answer, react to Mr. Mukalenge's suggestion regarding public health. Madame Ngouama de Villene, je ne sais pas si elle est toujours là. I don't know if she's still with us because, you know, she's a doctor, so she has many meetings. She came just for a meeting and for a speech. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Does somebody want to say something? Bon, je voulais évoquer la pédiatrie, mais hélas, ce n'est pas un problème. Monsieur Ouattara, toujours des choses intéressantes à nous dire. Monsieur Ouattara? Mr. Ouattara, you have something to tell us? Alors, est-ce que Laurence Busuneau peut dire quelque chose, au moins pour annoncer ce qui se passe demain? Laurence? Oui, je suis là. En fait, oui, Laurence, je voudrais vous donner la parole afin que vous puissiez dire quelque chose, tout ce que vous voulez, et notamment que vous puissiez annoncer, bien sûr, le programme dont vous avez, que vous avez préparé, je dirais même concocté. Le programme pour la faculté des sciences de l'océan Indien. Ou pour demain, enfin, ce que vous allez faire demain. D'accord, ok. Ouais. Ben, demain, la journée commence avec une conférence sur la diaspora africaine dans l'océan Indien. Alors, je laisse Monsieur Tomorrow, we start with a conference in the Indian Ocean. C'est une histoire qui est très peu connue. It's the story which is not very well known. Parce que souvent, quand on parle de la diaspora africaine, on pense à l'Amérique. Most of the time, when we're talking about African diaspora, we're thinking about America. Et la diaspora africaine dans l'océan Indien, elle est présente déjà depuis le 7e siècle. The African diaspora in the Indian Ocean was present since the 7th century. Et c'est une histoire qui a été passée sous silence. It's the story who is unknown. Et demain, on va avoir quatre intervenants. Tomorrow, we have two speakers. Four speakers. Oui, quatre intervenants. Ils vont intervenir sur l'histoire de la diaspora africaine dans l'océan Indien. They will talk about the history of African diaspora in Indian Ocean. Le premier intervenant, c'est Patrick Manning. The first speaker will be Patrick Manning. C'est un spécialiste de l'histoire mondiale. Is the specialist in contemporary history. Il va exposer l'histoire de la diaspora africaine dans l'océan Indien de manière générale. He will talk about the history of the diaspora in ocean Indian generally speaking. Le second intervenant traitera de la diaspora africaine en Inde. The second speaker will talk about African diaspora in India. Qui est une diaspora qui s'est formée depuis le 7e siècle. Which is a diaspora who has built since the 7th century. Cette diaspora est née à la fois de migrations forcées comme l'esclavage,
mais également ce sont des Éthiopiens qui étaient souvent recrutés en tant que guerriers. That diaspora has been comprised from those slaves who was be there and Ethiopian migrants. Et certaines familles ont formé, bon, je ne vais pas en dire plus, hein, une dynastie royale en Inde et qui ont fondé, qui ont défendu en fait les côtes du Gujarat contre les envahisseurs anglais pendant la première colonisation. Those family has built a dynasty who has try to fight against the invader coming from abroad. Ensuite, on va redescendre dans le sud de l'océan Indien pour parler des îles Mascareignes. And then we will get down in the south of Indian Ocean talking about the Isle of Mascareignes. Pour parler de faire un état des lieux des afro-descendants. To make a survey of the Afro descendants. Et enfin, on aura. Alors, nous avons. Alors, c'est un historien qui intervient, naturellement. Is the historian who has who is a speaker? So. Et le dernier intervenant, c'est un chanteur. The last speaker is a singer. Il est un chanteur de Maloya qui a été classé patrimoine immatériel à l'UNESCO. He is a singer Maloya who has been classified by UNESCO in his patrimony. Et il va expliquer le Maloya faisant partie de son héritage familial qui lui a été transmis de génération en génération. And we talk about Maloya, who is an heritage from him, who has been transferred to him from generation to generation. Voilà. That's it. Voilà. Thank you. Thank you. Merci. I would like to take this opportunity to commend the work done by Mrs. Laurence Buzineau. So, and she's right when she wants to emphasize the African diaspora in the Indian Ocean. She has told us how old it is, and I would say how it is important for the future. You know, the ocean, which is very important now, is not anymore the Atlantic Ocean, even less the Pacific Ocean, but the Indian Ocean. You need to know that 75% of the world population is around the Indian Ocean, Africa, Asia, Australia. This is the people around the Indian Ocean, and that is very, very strategic. And we have many geopolitical investments because this is where the future lies as well, primarily. So this is why there is a faculty of the sciences of the Indian Ocean. We don't have any faculty like that for the other regions or the other oceans, but because we think that the Indian Ocean is so strategic, we have agreed with her proposal to have a faculty of the Indian Ocean Sciences. And in the coming, before the end of the year, we will have also the opportunity to make great announcements about cooperations with Indian or with other institutions in this area. I don't want to say too much for the moment, but you need to know that our geopolitical vision is certainly very, very focused in that regard. So we shouldn't neglect that at all. Myself, I would be very happy and honored to attend the meeting at the beginning, but I don't want to speak too much tomorrow. I will have to learn because there is a lot of knowledge and understanding of the world, and many things are happening there. So I really strongly recommend you to come. Probably you don't know enough, and well, I certainly do not know enough about the Indian Ocean, and this is where the world is going. So if you want to understand the future, please come tomorrow, and please be registered in the Faculty of Indian Ocean. Thank you again, Laurence. Merci à vous aussi. Merci de m'offrir
cette possibilité. Bien sûr. Alors, je traduis simplement pour dire que Laurence Buzenneau, notre ambassadrice, a raison de dire que cette région est souvent mal connue, que c'est une diaspora africaine dans l'ère géographique considérée qu'elle a depuis le 7e siècle, mais qui est aussi une zone d'avenir. Je tiens à rappeler que le centre géopolitique n'est plus l'océan Atlantique, mais encore moins le Pacifique, comme on le dit parfois, mais véritablement l'océan Indien, autour duquel se trouve 75% de la population mondiale. Si vous mettez la Chine, l'Inde, l'Afrique, enfin, toute l'Indonésie, l'Australie, le Bangladesh, le Pakistan, tous ces pays qui sont très, très peuplés, eh bien, ça fait trois quarts de l'humanité. Donc, vous voyez que ce n'est pas négligeable, c'est trois quarts de l'humanité. C'est quand même, c'est très simple, c'est une question de mathématiques et de démographie. Et je crois que pour nous, en tout cas, pour la vision que nous avons dans l'état de la diaspora africaine, le monde bascule vers l'Est, vers l'océan Indien. Et donc, nos stratégies géopolitiques sont très fortement liées à cette ère géographique. D'ici la fin de l'année, nous aurons l'occasion d'ailleurs de faire un certain nombre d'annonces géopolitiques sur les alliances que nous sommes en train de construire à cet égard. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais vraiment, nous construisons des choses géopolitiques dans cet espace. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que nous avons accepté la proposition de Laurence Buzenneau de faire une faculté des sciences de l'océan Indien. Il n'y a pas une faculté des sciences de l'Atlantique. On aurait pu le faire, pourquoi pas, mais non. Ce qui nous a été proposé, c'est cela, et je trouve que c'est une très bonne idée, compte tenu du glissement progressif du monde vers l'Est. L'Europe se croit le centre du monde, les États-Unis aussi, mais en fait, le centre du monde aujourd'hui, c'est l'océan Indien, et donc nous avons besoin d'une faculté des sciences de l'océan Indien, et nous sommes très heureux que Mme Buzenneau ait pris l'initiative de faire cette faculté des sciences de l'océan Indien. Merci encore à vous. Ben, merci. Je vous remercie, c'est plutôt à vous que c'est... Je remercie plutôt la SOA de m'offrir cette possibilité, puisqu'effectivement, c'est un débat qui est en cours. On en parle toujours beaucoup, même sur la Réunion. La France, elle a des intérêts dans cette région, l'Inde, la Chine, et on en parle beaucoup. Ça fait même partie de revendications des Gilets jaunes. Il y a 2 ou 3 ans, le souhait de créer cette université, même une université privée qui traiterait de ces thématiques. Et en fait, là, c'était l'occasion... De parler de l'océan Indien, d'autant plus que l'océan Indien est l'appellation est une fabrication occidentale, puisque ça s'appelait jadis, avant la colonisation, l'océan afro-asiatique. So Mrs. Buzenneau is saying that she thanks us for giving this opportunity for her to build this faculty, it was an old dream. And also the Indian Ocean now is called like that, but before colonization, it was called the Afro-Asian Ocean. So we need to claim our legacy. Merci, merci. Ça nous promet de très belles choses pour demain. Merci. Oui, ben, merci aux intervenants. So does anybody else want to say something? Okay, well, that's fine. Est-ce que je peux parler de ce qui va suivre demain après-midi? Bien sûr, oui, oui, je vous en prie. Alors, il y aura la conférence par notre députée Merline Ulysse et notre ambassadrice Jasmine Rowey, conférence qui sera aussi animée par d'autres ambassadrices de leur groupe, telles que Florence Kopodje et Mrs. Martin, Madame Martin, sur responsabiliser la femme. Donc, ce sera autour du genre, de la jeunesse et du rapatriement. Très bien. En anglais, peut-être? Yes, of course. Tomorrow afternoon, after the conference about the diaspora in Indian Ocean, we will have conferences by our MP Merline Ulysse, Jasmine Rowey, ambassador in Ethiopia, on women empowerment, the future of African and African diaspora,
especially the youth in the future. And we will also, they will also talk about repatriation, how, where, when. So tomorrow from 1 p.m. to 6 p.m. GMT. Okay, well, thank you very much. Does somebody else want to say something before I give the floor to the Vice Prime Minister? Okay, so Mrs. Amoako, I don't know if you can hear us. Keturah? Well, I think she's, her mic is on mute, sorry. Okay, so, well, I will just conclude this meeting. Let me put my camera. Yes, can you see me? Yes, I think so. So let me not conclude. There is nothing to conclude because as you heard from the Minister of Historical Legacy, we're going to continue tomorrow and even the 4th. And the 4th, we will have the coronation, that is Sunday, the coronation of the Vice Prime Minister, Mrs. Keturah Moako, and the Minister of Historical Legacy, Mrs. Biyo Tebo. So you see, we have quite a calendar. Today we spoke about the Olympic, Pan-African Olympic Games, the university. Tomorrow you have heard what we're going to talk about, and Sunday we will attend this coronation, which has never been done before in the context of SOAD, and something which is also related to the creation of a royal chamber within the state of the African diaspora. So all of that is moving forward. We are very happy. As you can see, it's not only commemoration for the sake of commemoration, but commemoration to support our action. Thank you to all of you. And now I will translate. Et donc, je voulais, bien entendu, non pas conclure, puisque vous voyez bien que le programme continue. Demain, il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées déjà par la ministre du Patrimoine. Dimanche, nous avons le double couronnement, le couronnement de la vice-première ministre, Madame Keturah Moako, le couronnement de la ministre du Patrimoine, Madame Marie-Ange Biyo Tebo. Et donc, c'est un événement inédit dans le cadre de l'état de la diaspora africaine. Je vous invite à ne pas rater cela, sinon ça ne viendra pas tous les jours, ça c'est sûr. Donc, c'est quelque chose de très important. Demain, bien sûr, moi-même j'y serai, évidemment, et également après-demain. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et vous revois demain avec plaisir, je l'espère. Bonne soirée et à bientôt. Bye bye. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Bye. Bye bye, everybody. Thank you. Au revoir. Thank you. Bye bye. Thank you very much. Thank you to all of you. Bye bye. Bye. See we meet tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Thank you from Nigeria. Okay. Bye. Thank you, Nigeria, Jamaica, bye-bye. Italy. Thank you. Gambia. Sierra Leone. Thank you. Mozambique. Bye. Today was Jamaica. Bye-bye. Thank you. Ethiopia. Cameroon. Is she the Nadaro? Wonderful time. Yeah, that's me. Bye. From Nigeria. Thank you. Thank you. Yes. It was a good time. It was a good meeting. DRC. Thank you, Ambassador. Thank you. Merci. Yes, merci. 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 You know what we achieved in this meeting? Mm-hmm.